Hello, hello mes chouchous, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que chez toi aussi, il fait beau, enfin. J'espère que tu es en pleine forme. Alors, on va faire un tirage signe après signe, intemporel. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de faire ce genre de tirage. Ça m'a été inspiré. Alors, attends, oups, deux secondes, si la caméra elle bouge, je retire là, voilà, la batterie. Ça m'a été inspiré ce matin, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, on va être dans un tirage qui est plutôt, allez, dans le mois qui suit la lecture de cette vidéo, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, on est sur le challenge, ton challenge, ton atout, et puis comment ça peut évoluer. Alors, peut-être qu'on parle de toi, de ce qui te challenge toi, hein, toi versus toi. Peut-être qu'on parle d'une situation face à toi, d'une personne. Je vais pas dire si c'est, je vais pas te dire amoureux, familial, juridique, pro. Peu importe, ça peut être spirituel, ça peut. C'est toi qui sais, bien entendu, où ça peut te toucher. N'hésite pas à regarder tes trois placements hyper importants, le solaire, l'ascendant, le lunaire. Tu vas avoir plus de messages et peut-être même sur différents domaines de ta vie. Alors, je vais prendre tout de suite une petite feuille pour pouvoir noter le timing, comme ça je ne perds pas de temps. Alors, attends un instant. Hop. Là, ça m'évite de perdre du temps. Alors, on va commencer par les petits béliers et on va évoluer petit à petit. Alors, je vais tirer peu de cartes. Ce n'est pas des tirages non plus très très longs, hein, mais je vais tirer peu de cartes. En tout cas, le but, c'est vraiment d'aller droit au but. Bah oui, le but c'est d'aller dans ton but. T'as compris. Bon, allez, on y va. Pour mes petits béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes petits béliers? En tout cas, merci énormément de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Diffuse hein, ce contenu, n'hésite surtout pas. Regarde dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites réserver une guidance privée. Si tu es intéressé par le prochain apéro divinatoire, n'hésite pas à m'en faire part en envoyant un email. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a en challenge, ce qu'il y a, pardon, en challenge pour toi, mon cher Bélier, hein, ce qui représente le challenge. Ou peut-être ta partie, entre guillemets, qui est en évolution, qui est en résiste avec laquelle tu résistes, c'est possible. Hein? Non, okay? Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme atout dans cette situation ou dans ce qui t'intéresse? Comme atout pour toi, cher Bélier. Ok. Comment ça évolue, en tout cas, comment ça peut évoluer? Une carte comme ça et une carte comme ça. Ok, on y va. Allez, donc là, j'ai le 6 de Pentacle. Okay. Et le diable. Alors, on peut parler de finances hein, ici. Voilà, on peut parler de finances, mais on peut parler de tout ce qui est. On peut parler ouais, de tout ce qui est matériel. On peut parler aussi de santé, d'ancrage, de quelque chose effectivement qu'il est nécessaire de rééquilibrer pour être mieux dans sa vie. Hein. Comme ça peut être vraiment la santé. Alors, ton challenge, 4 de coupe. Ton atout. Le 6 de coupe. Bon, t'es dans les émotions, hein, mon ami Bélier, toi. Il y a du cancer, poisson, scorpion ici. Taureau, vierge, capricorne. On a deux éléments. L'élément de la sphère émotionnelle, l'élément de la sphère, on va dire, tout ce qui a trait à la stabilité, l'ancrage, la santé, les finances. Tout ce qui est concret. Voilà. Alors, le challenge ici, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe. Est-ce que tu as. On peut peut-être te poser une question ici. Est-ce que tu as défini ce qui te manquait? Est-ce que tu es focus sur ce qui te manquait réellement? Est-ce que tu n'es peut-être pas un peu trop focus? Alors, j'ai plein de messages, hein, désolé. Alors, le 4 de coupe, c'est ce qui manque. Ça peut être aussi une routine, un ennui. Des fois, on est presque en train de te dire, c'est pour ça peut-être que j'ai aussi le diable, tu as peut-être beaucoup de choses déjà, et certains veulent plus. Donc, est-ce que tu as réellement défini, avec un œil, on va dire, averti,
ce qui te manquait. Ça peut être aussi une petite carte de caprice. Des fois, on a pas mal de choses, mais on ne les voit pas. On ne voit pas ce qu'on a réellement face à soi. On s'est peut-être détourné pour aller chercher ailleurs quelque chose, alors qu'on avait déjà ça en soi. Donc, clairement, ça peut être être dans une relation pour combler un manque, mais que tu n'as peut-être pas identifié, pour certains, que tu as du mal à identifier, ou que tu as déjà en toi. On ne va pas dans une relation pour combler quelque chose. On va dans une relation parce qu'on est déjà conscient qu'on a tout en soi et qu'on peut donner, qu'on peut partager ce qu'on a. Et vice-versa, bien entendu. Une relation équilibrée, c'est ça. Il y a peut-être aussi un cadeau de la vie qui t'a été donné. Même si de prime abord, ça a été dans une situation que tu souhaitais, mais qui n'a pas fonctionné. Et pourtant, on est en train de te dire de ne pas te focaliser sur ce que tu n'as pas, mais plutôt de te focaliser sur ce que tu peux avoir. Pour certains, on est en pleine réflexion de vie. Voilà, qu'est-ce qu'il me faut ? Je sens des béliers qui cherchent le piment. Mais peut-être pas dans la bonne direction. Ou alors, on cherche quelque chose... on cherche à évoluer, ce qui est bien, mais on n'a pas identifié réellement ce qui nous manquait. Alors peut-être ce qui nous manquait en termes de compétences, ce qui nous manquait, que ce soit interne ou externe, hein, on n'a pas identifié ou on a mal identifié. Je te sens assez absorbé par tes pensées. Tu ne vois pas en fait ce qu'il y a autour de toi, ce qu'il peut y avoir ici encore à construire et qui est à ta portée. Peut-être certains s'ennuient dans une relation. Il y a une forme de routine. Il y a quelque chose qui n'est pas à ta hauteur. Et pourtant, il est possible que tu y restes ou que tu n'arrives pas à décider, parce qu'on a quand même le diable avec ce côté un peu toxique, avec ce côté d'attachement nocif. Et pourtant, on est en train de te dire que il faut faire bouger les choses. Ce n'est pas en se plaignant qu'on y arrivera. Parce qu'il peut y avoir un petit côté bouderie, plainte, tu vois. Moi, non, je vois pas. Tu vois, il y a un petit truc comme ça. Alors que j'ai l'impression, et quand tu regardes bien, je n'ai pas de bâton encore. Je n'ai pas ton élément, bélier. Alors, bien entendu, j'ai des béliers qui sont en ascendant, en lunaire, ou peu importe. Tu peux avoir aussi des bâtons autres, hein, aussi bien dans ton signe solaire que dans ton signe ascendant ou lunaire, voire les trois. Mais je ne vois pas de bâton. C'est comme si là, tu n'es pas vraiment dans ton élément. Je te sens un petit peu hors du temps, bélier. Je te sens aussi dans un manque de motivation. Donc, il y a aussi quelque chose qui potentiellement mérite ton attention. Tu as besoin de bosser le truc. Ça ne viendra pas tout seul. C'est pour ça que je te parle du cadre de coupe dans le sens. Ça ne va pas trop. Des fois, donne de l'énergie si tu veux obtenir quelque chose. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose, hein, il est possible que tu sois dans un sentiment de « ça va pas », mais on ne sait pas pourquoi. Comme je te l'ai dit, identifie ce qui te manque réellement. J'en reviens encore à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il est possible qu'en fait, tu saches que tu sois dans une forme d'insatisfaction, alors que pour certains, je dis bien pour certains, on a quand même pas mal de choses pour être heureux. Enfin, j'en reviens quand même à ce que j'ai ressenti au tout début, hein. Tu dois quand même à quelque part te réveiller, que ce soit face à un comportement toxique, à une situation toxique, il y a quelque chose peut-être de très matérialiste ou une volonté effectivement de réussir, ou ça peut être, voilà, je me sens bof alors qu'au final, je n'ai pas vraiment de raison de l'être. Quelque chose comme ça. Bon, ce qui est de ton côté, le 6 de coupe. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même, c'est une carte qui pour moi amène au soutien. Il y a du soutien autour de toi. Peut-être que tu as l'impression d'être seul dans ta bataille aussi. Et pourtant, il y a du soutien. Il y a encore des rêves. C'est ça qui est bien chez toi. C'est que je vois qu'il y a encore des rêves. Il y a encore cet enfant intérieur qui est... comment te dire ? Il y a encore un petit côté... tout est possible ici. J'ai l'impression que tu es dans un processus aussi de simplification des choses. Tu as besoin que les choses soient simples. Et tu sais qu'elles doivent être simples. Donc, ton atout, c'est ta capacité à simplifier. Ta capacité à te connecter à ton enfant intérieur, pour ceux à qui ça parle. C'est ta part vraiment enfantine, c'est ta part innocente, c'est ta part légère.
Il se dégage ici beaucoup de douceur, de simplicité et de sécurité. Donc, il y a quelque chose qui te sécurise. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui te sécurise ou qui peut te sécuriser, mais tu ne donnes pas l'attention que tu as, que cette situation le mérite, pardon. J'espère que tu m'as comprise. T'as conscience aussi pour certains qu'il y a, alors je le dis, un excès de naïveté. Parce que c'est quand même dans ton côté positif, c'est ton atout, parce qu'il y a quand même une conscience ici qu'il ne faut pas continuer de rester à vivre dans le passé ou dans les souvenirs. Donc en fait, j'ai presque envie de te dire que ce qui te challenge, tu as déjà la réponse. Il y a quelque chose comme ça. 6 de coupe. Il y a une harmonie ici que tu es capable de créer. Et tu sais que tu ne dois pas rester vivre dans le passé. Tu sais qu'il y a une forme de naïveté qu'il y a peut-être dans ta démarche. Et tu as identifié tout ça. Pour ça que j'ai le diable. Tu as identifié ce qui ne va pas. Et tu vois, tu as le 4 de coupe et le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle me parle d'équilibre. Me parle aussi de générosité. Comme je t'ai dit, il y a peut-être quelque chose sur lequel tu dois donner un peu plus pour recevoir plus. On n'a rien sans rien. Ou peut-être qu'il y a un soutien. J'ai encore une carte de soutien ici. Il y a peut-être quelque chose qui est déjà là autour de toi et qui représente une forme de stabilité. Ce tirage ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Hein, d'accord ? Allez, ce qu'on a à venir. Waouh, le magicien est tempérant. Super. Énergie des Gémeaux et énergie du Sagittaire. Alors, on parle de temps, on parle d'équilibre à venir, de renouvellement. Ici, avec le magicien, c'est un potentiel. Tu vois, le potentiel de... Voilà, c'est celui qui a toute la suite des éléments sur la table. À lui d'en faire bon usage. À lui de créer ce potentiel à partir de ce qu'il a déjà. Alors, on est dans le potentiel. C'est-à-dire que derrière, il faut acter quelque chose. Mais on a cette magie qui est déjà là. Après, j'ai tempérance. J'ai l'impression qu'il te faut un peu de temps pour comprendre certaines choses, pour mettre en place éventuellement certaines choses. Peut-être que la notion de temps, peut-être qu'il y a de l'impatience ici aussi. La notion de temps est importante pour toi. Donc là, on est en train de te dire que tu vas doucement mais sûrement y arriver, à rétablir les choses, à réaligner les situations. Un petit peu l'alignement des chakras ici, je ne sais pas. Il faudrait peut-être identifier quel chakra manque d'équilibre. Bon, je t'invite à faire ta petite recherche, d'accord ? Tu vas avoir un regard un peu plus doux hein, quand même hein, sur cette situation ou sur ce qui te... Ou même sur toi-même. Hein. Ça peut être toi. Hein. Comme je te l'ai dit, ça peut être toi face à toi. Donc, tu vas avoir un regard plus doux, plus apaisé. Tu vas t'adapter un peu plus à une forme de réalité. Mais il y a vraiment quelque chose que tu es capable de faire, que tu es capable de créer et tu vas en prendre conscience. C'est une très, très belle énergie pour toi, mon cher Bélier. Autre chose, il sait manipuler les éléments. Hein. On peut parler aussi de dons cachés, de potentiels non exploités. Et j'ai l'impression que tu as besoin de t'adapter, d'une période d'adaptation ou de transition qui est nécessaire. Peut-être qu'il y a une personne en particulier hein, qui peut avoir un impact dans cette situation, éventuellement Gémeaux, Sagittaire. Mais après, je t'avais dit, j'avais de la terre et des coupes, donc eau et terre. Donc voilà, il y a quelque chose ici sur lequel tu vas t'harmoniser ou tu vas te réharmoniser avec quelqu'un, c'est possible, avec une situation. Tu vas trouver ta place, tu vas trouver en fait ton chemin, tu vas trouver une solution ici, c'est ce que je ressens. Voilà tes messages pour toi, cher Bélier. On continue avec mes taureaux. Pour mes taureaux, on y va tout de suite pour mes chers taureaux. Un petit peu, donc challenge, atout et évolution. Alors, regarde tes trois placements hyper importants, c'est un tirage intemporel, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. Pour moi, ça a une validité d'environ un mois. Allez, on y va tout de suite pour mes taureaux. Qu'est-ce qu'ici on a en challenge ? En atout. En résolution, en tout cas en évolution, on va dire plutôt en évolution. J'aime pas dire le mot résolution, sinon ça cantonne le truc à... Alors, vous êtes un groupe à regarder, donc vous ne pouvez pas avoir le même résultat. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on va mettre en tournée. Ok. Là, j'ai 3 de pentacle, ici. Et là, j'ai quoi ? L'impératrice. Ok. Dans ton challenge, le soleil. Ouh. Il n'y aurait pas un sentiment de...
de manque de réalisation ici. Il peut y avoir ce sentiment de manque de réalisation. Hein. Le magicien, tiens. Dans ton atout, le magicien, mais t'as des capacités, mon cher Gémeaux. Il y a quelque chose que tu ne vois peut-être pas arriver, c'est comme ça que je le sens. Parce que regarde, le magicien, l'impératrice. Tu as des trois là. Et c'est dingue parce que le soleil, c'est le 19. 9 plus 1, ça fait 10 et ça fait 1. Tu as vraiment quelque chose. En fait, on est en train de te dire qu'il y a des signes de lui. Tu es guidé. Là, actuellement, ce que tu ressens quand je vais te décrire un petit peu, et notamment le point de départ, c'est le manque de réalisation, le manque de l'insuccès peut-être, le manque de clarté, le manque de visibilité, le manque d'optimisme. Peut-être un peu d'apathie, parce que c'est quand même l'énergie yang, donc tu n'as peut-être pas assez d'énergie, ou alors peut-être que tu ne mets pas assez d'énergie. Je ne sais pas. Et pourtant, regarde, tu as des redites au niveau des... Bah, tu as 2-3 et tu as 2-1. On peut mettre aussi un 10, là. Mais tu as 2-1 et 2-3. Donc, le 1, c'est le jeu. Le 3, c'est l'ouverture aux autres. Mais c'est surtout la créativité, l'expansion. C'est un chiffre qui parle de manifestation aussi. Hein, de... Regarde, l'impératrice, elle est là. C'est l'arcane numéro 3. Et ça parle de... Je viens de remarquer que tu as 3 arcanes majeures quand même. Hein. Donc, on est quand même sur un moment assez... sur quelque chose d'assez charnière dans ta vie. Ce qui te... en tout cas, ce qui te préoccupe actuellement. Comme je le dis, dans ton challenge, il peut y avoir un manque de j'allais dire, à créativité. C'est peut-être possible. Hein, peut-être que tu as peur ici. Hein, je pense que tu n'exploites pas ton plein potentiel. Voilà, Taureau. En gros, ça va être ça. Ça, c'est le premier message. Soit tu n'exploites pas à fond ton potentiel. Soit tu as un manque d'optimisme par rapport à une situation. Mais peut-être que c'est aussi lié à un manque d'action. Puisque c'est quand même l'énergie yang. C'est le bonheur, c'est la carte qui dit oui. Peut-être que tu dis non, c'est pas possible. Tu vois, non. Il y a peut-être des éléments qui te manquent. Et j'ai presque envie de te dire que si, tu en as quand même une bonne partie, ou en tout cas suffisamment pour avancer. Que ce soit dans un cheminement spirituel, que ce soit dans une décision au niveau amoureux, relationnel, peu importe, tu as suffisamment d'éléments. En tout cas, tu as l'essentiel, comme je te le dis. Tu vois, il y a quelque chose ici qui... Je pense à un manque d'énergie de ton côté aussi. Manque d'énergie. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai parlé d'apathie. Tu vois, il y a aussi un manque de confiance en toi. Peut-être que ici, on t'invite à collaborer avec des personnes, à échanger tes idées, à te former éventuellement. Pour certains, on a besoin de formation ou on a besoin de faire appel à d'autres personnes pour pouvoir évoluer. C'est comme des personnes qui sont dans un cheminement spirituel, qui veulent faire du développement personnel, mais qui refusent, mais pour des raisons X ou Y, hein, et c'est pas un reproche, mais qui refusent de contacter peut-être un thérapeute, un psychologue, une aide externe. Et pour certains, on en a besoin. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. J'ai l'impression que tu vois le verre à moitié vide ou de le voir à moitié plein. Il y a une forme de... Ouais, comme je te dis, un manque d'optimisme, enfin un pessimisme ici, par rapport à tes propres vérités. Pourquoi je ne voulais pas dire tes propres vérités? Par rapport à tes propres capacités. Il y a peut-être un manque de clarté, donc un manque... Il te manque une vérité? Ou alors il y a quelque chose que tu ne veux pas voir? Tu ne veux pas voir. Et qui pourtant, qui pourtant pourrait être la base de quelque chose qui se construit ou se reconstruit de manière plus solide. Il y a un manque de cohésion ici, aussi bien dans tes actions que dans ton cheminement. C'est ce que tu ressens en tout cas. Peut-être qu'il y a besoin de poser certaines limites. Parce que je vois que la carte du soleil, elle est quand même assez ronde. Tu vois, c'est limité. Enfin, c'est pas limité. C'est bien délimité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un manque de limites. Tu n'as pas forcément les idées claires. Ou tu as l'impression qu'on ne te donne pas les informations nécessaires. Et du coup, tu ne sais plus ce que tu veux. Voilà. Ou tu ne sais plus où tu vas. Et peut-être qu'il y a eu une vérité, hein, qui est sorti, mais que tu as du mal à avaler. Tu as du mal à agir en fonction de cette clarté et de cette vérité. Soit tu l'as entendu, soit tu l'as découvert, soit tu l'as depuis longtemps, cette vérité, cette clarté. Tu l'as peut-être depuis longtemps. Après, il y a un deuxième axe que je ressens chez le taureau. C'est peut-être aussi, attention, peut-être que tu,
tu es en train de te... ça peut être concomitant avec la première, idée, mais attention de ne pas te brûler les ailes. Excès de... excès. Dans les excès, parce que ça peut représenter des excès. Peut-être que tu as besoin de d'équilibrer ici certains excès. Tu verras comment ça peut te parler. J'ai la carte du magicien, mais ça c'est bien parce que le magicien me dit que de toute façon tu es capable de recommencer. T'es dans un, je dirais pas un éternel. La vie est faite d'éternel recommencement. Ok? La vie elle est faite d'opportunités que tu peux créer et t'en as conscience. Et moi j'ai l'impression que tu as quelque chose sous le coude ou qu'il y a quelque chose qui vient ici. Je t'ai dit tout à l'heure qui, alors je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, j'espère, mais que tu ne vois peut-être pas arriver. Et l'impératrice me dit que tu as les pleines capacités à obtenir ce que tu veux obtenir. Mais elle est dans un état d'authenticité. C'est quelqu'un qui ne force pas. Les choses viennent à elle. Elle utilise les bons outils. Elle a compris ici quelle était sa mission. Et tu as besoin, toi, de comprendre. Mais tu vas comprendre. N'oublie pas que le battleur, c'est le bâtisseur. C'est le charpentier. C'est celui qui établit les fondations. En tout cas, qui a cette mission-là, le 3 de Pentacle, c'est la base de la pyramide. On parle de manifestation. Je sens que tu vas dans une... Tu vas comprendre ici que tu as beaucoup d'infos, que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer ou pouvoir recommencer quelque chose. Peut-être qu'on parle effectivement d'avoir cet optimisme, hein. Admettons que pour certains, voilà, on se rend compte que la personne avec qui on est ou le partenaire... professionnel, si tu es associé avec quelqu'un, c'est un exemple. Hein. Ben, c'est pas bon, ça va pas. Donc plutôt que de rester dans un 1, dis-toi que. Et c'est dingue ce que je vais te dire, Taureau. Je vais te dire un truc là, quelque chose qui me vient tout de suite. Et ça va pas en contresens, hein, attention. Hein. Mais peut-être que justement, alors je vais rectifier ce que j'ai dit. Peut-être que tu pensais que ta réussite était aussi, pour certains, c'est un autre message, hein, que tu pouvais pas faire les choses seules. Alors qu'en fait, on est en train de te dire que tu peux faire les choses seul. Que tu n'as pas forcément besoin des autres. J'espère que tu m'as comprise. Pour certains, c'est un message précis, mais tu vas le comprendre. Le magicien, il est associé à la planète Mercure. Donc, qui est la communication et surtout les compétences. La logique, l'intelligence. En fait, tu as tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et le chiffre 1, n'oublie pas, c'est le chiffre du jeu, du moi et du commencement. Donc, il y a un potentiel qui arrive, qui est peut-être déjà là, mais qui est surtout en toi. Tu peux rendre quelque chose, on va dire, virtuel dans tes rêves, tangible, concret. L'impératrice, elle va beaucoup t'aider, l'impératrice. Puisque l'impératrice, comme je te dis, elle, alors déjà, l'impératrice, elle a une tendance, elle a cette magnifique capacité à obtenir ce qu'elle souhaite. Donc, et puis elle est rattachée à la nature, aux choses. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne force pas. Comment t'expliquer? Ouais, je vais essayer de t'expliquer. Parce qu'elle est profondément associée à la nature, à mère nature, si tu préfères. Regarde, en plus j'ai la reine de coupe derrière, dans la patience, dans le... Voilà. Elle est dans la... Voilà, la calme, le calme, la douceur et la sérénité. Peut-être que tu as besoin de calme, peut-être que tu as besoin de prendre du recul, hyper important. C'est un symbole de fertilité. Elle est connectée, cette personne, à ce qu'elle souhaite, à ses capacités et au monde externe. Tu vas obtenir ici quelque chose. Mais crois, mais soit va dans quelque chose qui te corresponde, ou qui te reflète, ou qui t'accepte tel que tu es. Voilà, je vais dire ça comme ça. Allez. Wow. Ouais. Tu vas faire un choix, hein. Il suffira de ne plus être dans le déni, ma chère, mon cher Taureau. Le 2 d'épée peut représenter le déni. Ça représente de toute façon un besoin de lucidité dans une situation. Choisir, c'est renoncer. Il n'y a pas de voie du milieu là pour toi. Il n'y a pas de voie du milieu, Taureau. C'est là ou là. Tu vois, je ressens ça pour toi. Il n'y a pas de voie du milieu. Donc là, on est en train de te dire de ne pas bloquer en fait l'évolution, de ne pas bloquer un réajustement ou un changement nécessaire, un choix ici, excuse-moi. Un choix important pour justement pouvoir avancer. Et il suffira d'ouvrir les yeux, de suivre peut-être aussi beaucoup son intuition. Il y a peut-être deux possibilités pour toi. Et s'il y a deux, alors admettons, pour certains, on est sur deux choses en même temps. Donc peut-être qu'il faut privilégier l'une et mettre de côté l'autre. On n'est pas des robots, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être ça. Mais le 2 d'épée, c'est surtout le choix.
Et si tu me dis que tu n'arrives pas à voir quelle est la meilleure possibilité pour toi, j'ai envie de te dire, bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, avec ce que tu as aujourd'hui, avec le peu que tu peux avoir dans l'une ou l'autre situation, prends cette voie-là, avance et au fur et à mesure, tu auras des éléments supplémentaires. Si tu me dis, je n'ai aucune visibilité, ni l'un ni l'autre, j'ai envie de te dire, bah, quoi qu'il en soit, il va falloir choisir. Parce que là, si tu restes dans la voie du milieu, tu ne vas pas y arriver. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'arrêter d'évoluer. On ne peut pas rester comme ça Tu vois, le 2 d'épée, c'est les épées, c'est l'air, c'est aussi une carte qui parle d'un élément qui est rapide. Ne prends pas non plus, ne reste pas non plus trop longtemps dans cette indécision. Fais un choix. Et avec la force, on te le rappelle, on te dit ici que, bon, certes, tu vas avoir le courage de le faire. Mais trouve la motivation. Et tu vas la trouver, la motivation. Tu as la force nécessaire, tu as le courage nécessaire. Ici, on est en train de te parler de se dépasser un petit peu. Ça va t'amener beaucoup de confiance en toi. Rien que le fait de choisir, c'est-à-dire renoncer peut-être à quelque chose, même temporairement, eh ben, ça t'amène de cette confiance dont tu as besoin ici. Tu vas évoluer quoi qu'il en soit, tu ne vas pas rester comme ça. Et puis comme je te dis, pense à toi. Parce que j'ai le 1, hein, le je, et le 3, qui est l'ouverture au monde et la manifestation. Voilà tes messages, cher taureau. On se retrouve tout de suite avec les gémeaux. Mes petits gémeaux. Allez, on y va pour toi. On va regarder la carte des challenges, l'atout, les challenges, les atouts, et comment ça évolue. OK? Alors, regarde tes trois placements, hyper important. Tu auras sûrement plus d'infos. Allez, on y va. Peut-être même dans d'autres domaines. On est sur une validité d'environ un mois, mais c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher Gémeaux, en challenge actuellement ou prochainement? Allez, le challenge pour mes petits Gémeaux. OK. L'atout. Non, attends, on va faire un petit coup de mélange, même si je les mélange très très bien entre deux. Oups. L'atout pour mes Gémeaux. Allez, l'évolution. En tout cas, les conseils aussi qui sont peut-être dedans. Et là, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le roi de Pentacle. L'abondance, la stabilité, le résultat positif, la sécurité. Ok, on est quand même sur les deniers ici. On va voir l'atout. Le challenge, pardon. Excuse-moi. Le challenge et l'atout. L'atout. Ouh, d'accord. Ok. Bon. Ici, on parle quand même de tout ce qui a trait à l'ancrage, tout ce qui peut t'amener cette stabilité, cette sécurité. On est sur le concret aussi, sur quelque chose qui... Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est crédible? On est sur de la crédibilité? C'est possible? Bon. Alors, quoi qu'il en soit, on a un 5 de bâton en énergie de challenge. Alors, c'est quand même pas simple, Gémeaux. Parce que le 5 de bâton, ça représente tout de même un sacré challenge. Hein. On n'est pas, voilà, on peut être en conflit, on peut se sentir en conflit envers soi-même, hein, à l'intérieur de soi, avec des idées qui s'entrechoquent, avec des ambiguïtés, avec des choix qu'on n'arrive pas à faire, avec des... On est peut-être un peu éparpillé dans plein d'autres choses et peut-être qu'on est transversal sur plusieurs domaines de ta vie. C'est possible. On est sur quand même quelque chose qui est éprouvant. Hein. Ouais, on est sur quelque chose qui est éprouvant. J'ai l'impression qu'il y a un manque de coordination, que ce soit avec d'autres situations ou d'autres personnes, ou tout seul, hein, à l'intérieur de toi. Il y a un manque de coordination. J'ai l'impression que quelque chose reste vain ou une situation est vaine. Parce que le 5 de bâton représente les oppositions. Alors ça peut être en conflit avec des personnes, avec de la famille, avoir des situations qui en sont bloquées, que ce soit administratif, juridique, au niveau de la santé. Enfin, il y a toujours un couac ici. Et en fait, on n'arrive pas à progresser. Peut-être que personne ne s'écoute. Peut-être que l'autre ne t'écoute pas, que toi tu n'écoutes pas l'autre si on est dans le relationnel. On a chacun un point de vue différent. On n'arrive jamais à se mettre d'accord.
Même si c'est au niveau du travail, hein, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Si c'est au niveau du travail, tu peux clairement être dans une période de restructuration, où il y a peut-être des licenciements, ou tout simplement avec des désaccords avec la hiérarchie, les collègues, il peut y avoir quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas vraiment où on va. Alors, on peut avoir un sentiment de rivalité aussi. Beaucoup. Et puis tu sais, ça peut être aussi toi versus toi. Toi, tu peux être ton plus grand ennemi ici. C'est pour ça que j'ai dit, ça peut être des conflits internes. Un sentiment peut-être de rivalité ou de la concurrence peut-être autour de toi, c'est possible. Peut-être qu'on est en train de te dire de ne pas te comparer aux autres, de faire ton propre chemin. C'est important. Ce qui est de ton côté, c'est quand même ce sens de l'observation. Ça, c'est bien. C'est une carte de communication. Mais c'est surtout une carte d'observation. Ce sur quoi tu mets ton focus actuellement, on te dit de creuser. On te dit d'aller plus loin, de ne pas t'arrêter aux apparences. On te parle d'observation et d'études. Mais tout ça par toi-même. Hyper important. On te dit qu'il y a un potentiel, quoi qu'il en soit, chez toi, mais qui demande à mûrir. Donc, c'est pas important de reprendre. C'est pas grave de reprendre à la base pour certains. C'est pas, c'est même peut-être nécessaire pour d'autres personnes de reprendre le tout à la base. Ou sinon, c'est pas grave d'être à la base des choses. J'ai envie de te dire ça comme ça. On est sur un moment décisif. Hein. Tu vois, une situation, elle peut être bloquée parce qu'il y a plusieurs parties, plusieurs personnes qui doivent se mettre d'accord et on n'y arrive pas. Clairement, par exemple, un héritage, par exemple. Ou une situation juridique, ou même, peu importe, familiale, peu importe. Et encore une fois, tu peux être forcé de te battre ici pour obtenir quelque chose. Le challenge ici est important. Ne le vois pas comme une fatalité, parce que j'ai quand même un 5 de pentacle. Peut-être qu'il y a une dévalorisation derrière tout ça. J'ai 2 5. Hein. Peut-être qu'on est un petit peu en dehors de sa zone de confort aussi. Ouais, c'est possible. On est en dehors de sa zone de confort. Le 5 de pentacle, c'est ne pas se plaindre, aller accepter la situation telle qu'elle est, comprendre ce que tu peux faire pour pouvoir évoluer. Ne pas te laisser abattre, cher Gémeaux. C'est pas le moment, en fait. Mets ton énergie pour obtenir ce que tu souhaites ou pour te valoriser dans une situation quelle qu'elle soit. Hein. Parce que c'est là que tu vas découvrir ton plein potentiel. C'est pas pour rien qu'on voit le roi de Pentacle ici. On est quand même sur un roi. Sur quelqu'un qui inspire la sécurité. Et ça peut être toi. Tu te rends compte aussi que, voilà, tu as une autre facette de toi qui va prendre le pas, qui va prendre le relais après ce challenge-là. Après, le 5 de bâton, il peut mettre aussi l'accent sur ta sphère vraiment très intime. C'est-à-dire, tu pensais savoir ce que tu voulais dans la vie. Ce que tu aimes, qui tu voulais, ce qui te porte, ce qui te motive. Mais en fait, tu ressens un combat interne ici. C'est peut-être pour ça qu'on te dit observe. Parce que tu es déjà dans l'observation, justement. Tu es déjà en train de faire ta petite analyse, ta petite enquête. Continue. C'est dans ton atout ici. Il est possible aussi qu'il y ait des informations qui viennent à toi. Prête-y attention. Donne de l'importance à ce que tu observes de tes yeux ou ce que tu peux entendre. Et s'il y a une information qui vient de l'extérieur, va la vérifier et va quand même lui apporter une forme d'importance aussi. Tu peux recevoir des éléments de l'externe via des sources de communication. Ça peut être les réseaux, ça peut être le téléphone. Et voilà, peut-être qu'on attend quelque chose de toi. Chacun a son idée bien précise de ce qu'on attend de toi. Mais toi, là-dedans, t'es où, Gémeaux ? T'as peut-être besoin justement de creuser, hein, d'observer ce qu'il y a autour de toi pour trouver la solution. Parce que c'est quand même une position généralement fragile, le valet d'épée. Mais là, c'est dans ton atout. Donc en fait, t'as quand même un sens aigu de l'observation. Est-ce que tu vas observer même des infimes bride de quelque chose vont t'amener vers ce roi de pentacle, vont t'apporter quelque chose de beaucoup plus vont t'apporter une base sur laquelle t'appuyer pour pouvoir justement te bâtir, te rebâtir ou te solidifier.
Et j'ai envie de te dire, si on attend quelque chose de toi, quelle que soit la situation, moi j'ai presque envie de te dire, ok, c'est bien. Mais plutôt que d'essayer de prêter attention à tout le monde, prends la meilleure décision, la tienne. C'est la tienne qui compte de décision. D'accord ? Waouh, super. Il y a une résolution ici, hein. Je t'ai dit. Hein. Cavalier de coupe. Oh, ok. On peut parler de la sphère émotionnelle, hein, bien entendu, mais pas... Enfin, émotionnelle, pas uniquement sentimentale, mais on peut parler de quelque chose qui, de toute façon, a trait aux relations. Après, ça peut être aussi ce cavalier de coupe. Bon, ok, je vais apporter une solution et je vais écouter mon cœur. Je vais écouter mon intuition. C'est hyper important parce que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vraiment, qui veut aller quand même concrétiser un rêve. Il a une intuition. Il sait ce qui est bon pour lui quand même. Et il s'y dirige. Il ne se dirige pas vers autre chose que ce qui le touche. Et le 4 de bâton représente l'engagement, représente aussi les célébrations, la stabilité et l'harmonie. Donc tu diriges vers une harmonie. Peut-être qu'on parle de foyer hein, ici. C'est possible quelque chose au niveau de ton foyer. De tes engagements, de ton engagement, d'un engagement en particulier. Tu t'engages en tout cas pleinement vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus apaisé. Alors, comme je te le dis, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'est-ce que tu veux réellement. Il y a des choses à mettre de côté, il y a des choses à... Il y a un tri ici qui est nécessaire et tu en as cette capacité avec le valet d'épée. Tu as justement... C'est quelqu'un qui cherche la vérité. Hein. C'est quelqu'un qui s'efforce de comprendre. Même si c'est fragile, même si se sent fragile, mais au moins, tu as quand même ce début ici qui est très important. Tes oreilles, elles doivent tourner un petit peu partout. Hein, d'accord ? Beaucoup d'ébullition mentale. Bon, ça me rassure, t'es Gémeaux, t'es un signe d'air, donc ça ne va pas vraiment te... Ça va pas te déstabiliser parce que ce qui est dans ton atout, c'est aussi dans ton élément. Que tu sois en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je sens des bavards hein, ici. Parce que lui, c'est un bavard. Il est espiègle. Il est spontané. Il y a beaucoup d'énergie ici qui se dégage du chevalet d'épée. Ne laisse personne en fait étouffer ta joie de vivre. À bas les rabat-joie. C'est ce que je ressens. Bon, voilà tes messages, mon cher Gémeaux, mes chers Gémeaux. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, merci à toi. À tout de suite pour mes cancers. Mes petits cancers. On y va tout de suite pour challenge, atout et évolution. C'est un tirage intemporel. Environ une validité, entre guillemets, si je peux dire validité, d'un mois à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. Mes petits cancers, mes petits cœurs d'artichaut. On va regarder un petit peu ce qui représente ton ou tes challenges. Ok ? J'essaie de donner plusieurs messages. On y va. Ton ou tes challenges. Allez, j'espère que cette lecture, en tout cas, peut t'aider à identifier certaines choses. Allez. Bah, vous les sortir. Ton challenge, ok. Ton atout, ou tes atouts, bien entendu. On n'en a pas qu'un. Là. Au niveau de l'évolution, ça peut être aussi des conseils, tout simplement. Tac. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. Oh, une petite carte de cancer. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. Oh là là, bah, décidément. 6 de coupe, 6 de coupe. Alors, 7 de pentacle. Alors, étonnant. Bon, écoute, on va regarder tout de suite le... Alors, dans le challenge, c'est 7 de pentacle. Bon, est-ce que tu ne serais pas un petit peu impatient de quelque chose? Bon, il peut y avoir de ça. Il y a quelque chose qui met trop de temps ou il y a quelque chose qui te prend du temps. Il y a quelque chose auquel tu accordes beaucoup plus de temps qu'il n'est nécessaire. Ou peut-être qu'on te demande... Après, ça dépend. J'ai quand même des enfants. Alors, je vais quand même mettre un petit message pour toi, cher cancer. Pour certains, ça va parler, pour d'autres, non, bien entendu. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de toi. Mais je parle vraiment d'une personne qui peut être un enfant, une personne plus jeune, ou alors immature. Mais il y a peut-être quelqu'un à qui tu devrais accorder un peu plus de temps. Ou il y a quelqu'un à qui tu accordes trop de temps. Mais dans le sens, à ton détriment. Essaye de voir la subtilité dans ce que je viens de te dire. Hein. Dans tes atouts, l'as de coupe. Tu es beaucoup dans le... Ok. Bon,
J'ai l'impression que tu cherches, il y a quand même un manque de réajustement de ta position et de ton investissement. Le 7 de Pentacle me dit, c'est quand on veut investir son temps, son argent, son énergie dans quelque chose et que on veut que ça pousse. On se demande quand est-ce que ça va pousser. On revient tout de suite dessus en disant, est-ce que ça pousse, est-ce que ça pousse? Et en même temps, si ça pousse pas, ça t'invite à réajuster et à réharmoniser quelque chose pour amener justement, pour ramener cette situation à un résultat et à un objectif. Ça peut être aussi, on a un objectif en tête, un seul objectif, mais on ne prend pas en compte qu'il puisse y avoir quelque chose qui te dévie un petit peu de ta route au fur et à mesure de l'avancement. Et ça, il faut l'envisager, d'accord? Faut pas garder un truc en tête et uniquement en tête. C'est hyper important. Donc peut-être que tu as besoin, tu vois, ce sont des messages qui peuvent autant te parler d'impatience dans une situation que de devoir t'investir différemment dans une autre ou de ne pas perdre trop ton temps aussi. Je sais pas comment tu te situes, tu vois. Quoi qu'il en soit, il y a des émotions saines ici. Il y a une guérison émotionnelle, des émotions saines. Il y a le début peut-être de quelque chose, d'un projet, la naissance de quelque chose que tu attends depuis longtemps, mais qui est dans ton atout, donc tu en as la capacité. C'est pas comme si tu n'y arriveras pas. J'ai pas l'impression que je dois te dire ça. Il y a aussi ce côté, n'espère pas. Ah, tu vois, c'est un petit peu de côté, n'investis pas non plus trop. Et une balance. Les 6 aussi sont des chiffres de balance. Fais les bons choix, ça me ramène aux amoureux. Fais les bons choix, établis des limites saines. Les amoureux fonctionnent à deux. Quand il y a deux personnes, ça fonctionne en réciprocité. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Que ce soit dans ce que tu donnes comme énergie au travail et comment on te le rend, que ce soit dans une relation émotionnelle, dans une relation amoureuse, familiale, peu importe. Il faut que ça fonctionne à deux. Et il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Donc peut-être qu'il ne faut pas non plus être dans une attente comme ça. Et continuer d'investir, sans comprendre qu'il faut réajuster le truc. Ok? Mais le petit message de quelqu'un a besoin de toi, ça peut être vraiment un message pour une ou deux personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ton attention. Ou que tu dois vraiment, voilà. Surtout si on parle d'une relation parent-enfant. Ok? C'est hyper important. N'abandonne pas trop vite, aussi. C'est ce qu'on est en train de te dire. Je vais quand même axer le reste de la guidance là-dessus. N'abandonne pas trop vite. Il y a une issue positive. Le 6 de couple parle aussi de simplifier. Des deux côtés, on te parle de simplification. Donc, non seulement il faut trouver une balance entre le côté un petit peu naïf, entre, si je peux me permettre de te le dire, naïf, candide, avec le côté simple. Peut-être que on ne doit pas rester collé sur l'énergie de départ, parce que le 6 de couple ramène à la nostalgie de quelque chose. Ou alors à un souvenir. Donc peut-être qu'on a envie, comme je t'ai dit, on a un objectif en tête et on n'a pas imaginé autre chose. Donc là, on est en train de te dire, peut-être qu'il va falloir réajuster, ne pas rester collé sur l'image de départ. Après, ça peut être simplifier peut-être quelque chose. Peut-être que dans ton cheminement, tu as besoin de simplifier. Tu as besoin aussi de comprendre, d'être un peu plus léger. Hein, c'est aussi bien dans tes deux côtés. Être dans une plus grande légèreté. Être dans un... laisse exprimer aussi ta créativité. Accepte le soutien qu'on puisse te donner. Ou accepte de demander du soutien. Parce que c'est aussi une carte de soutien. Ok. Avec l'as de coupe, on est quand même. Alors, il faut savoir que le 7 de Pentacle amène des progrès, certes lents, mais réguliers. Il y a une question de régularité chez toi. Est-ce que aussi ce que tu estimes, enfin ce que tu investis, hein, n'est pas entre guillemets le reflet de ce que tu reçois. Alors, ça peut paraître dur ce que je dis, mais en même temps, écoute bien. Admettons que dans une situation, on va prendre le côté relationnel. Tu donnes beaucoup à une personne, mais tu reçois peu. Mais à quelque part, il y a aussi ce côté, je récolte hein, ce que j'ai investi. Je surinvestis, mais je ne sais pas m'arrêter. Il y a un moment où on t'invite à t'arrêter, à redéfinir les bases. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est bien fait pour toi. Je suis en train de dire, il faut apprendre ici à réajuster. Donc, plus on va continuer d'investir et moins on va recevoir dans certaines situations. Et donc là, ce sont des alertes, tu vois. Donc, c'est aussi pour te permettre de te repositionner. C'est hyper important. Et quoi, comme je te dis, hein, je pense hein, que ça revient. Si tu penses que tu as beaucoup trop investi pour peu de résultats,
Ben, on est en train de te dire que oui, ça se reflète dans une perte de morale, dans une perte d'enthousiasme actuellement, hein, dans ce qui est dans le challenge. Tu as le sentiment d'avoir sacrifié, hein, de l'énergie pour rien, du temps. Bon, mais dans les deux cas, c'est quand même une leçon de patience et une leçon de repositionnement. OK? L'as de coupe ici, très bien. On est en train de te dire aussi que les solutions miracles n'existent pas. Okay, c'est hyper important. Sois connecté à ta vraie valeur, à ton vrai toi, à ce que toi, hein, tu veux. Parce que quoi qu'il en soit, je te sens te connecter ici à tes besoins, à tes besoins, à les définir. Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus sain. Hein, c'est dans ton atout, tu as cette capacité-là. Tu as aussi une formidable capacité de guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui ça promet quand même une forme de bonheur. Et je pense que ça n'enlève en rien ta croyance en l'amour ou en la bonté ou à la beauté des choses. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression ici que tu as besoin, et tu en es capable, hein, de t'exprimer comme tu le ressens, comme ce que tu as envie de. Déjà comme tu le ressens, mais comme tu dois le faire. Donc, de toute façon, tu as une abondance en toi. Il y a une abondance peut-être même dans une autre situation et qui arrive pour toi, que tu vas créer ou que tu. Ou qui vient pour toi, qui est destiné. Il y a quelque chose comme ça. Tu vois, c'est ce côté. Elle est abondante, cette coupe. Donc, il y a vraiment une abondance pour toi. Et il y a forcément une abondance en toi. Donc, exprime ce que tu as besoin d'exprimer, puis tu en as la capacité, puis tu vas le faire, j'ai l'impression. Exprime vraiment ce que ton cœur, il veut. Tu vois, c'est un petit peu le côté manifestation. Exprime réellement. Ce que tu souhaites, visualise et bien entendu acte. Acte, sois dans l'action. Tu veux l'amour, c'est pas en restant enfermé en haut d'une grotte que tu vas l'avoir. Tu vois, c'est un petit peu ça, mais c'est pour illustrer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension très importante de tes ressentis, qui est dans tes atouts. Je pense aussi que pour que ce nouveau départ arrive pour toi, que tu as conscience ici qu'il faut déjà discuter peut-être à cœur ouvert ou discuter, je sais pas moi, avec un ami, avec toi-même, devant la glace, mais surtout savoir pardonner. Il y a un pardon, savoir se pardonner et savoir pardonner. Il y a peut-être la question de pardon ici. On parle de générosité dans les deux cas et on parle aussi de générosité du cœur ici. J'ai l'impression que tu peux aussi trouver une connexion, une nouvelle connexion. Je suis peut-être connectée à des cancers qui ont l'impression de ne pas trouver l'amour ou de ne pas avoir assez dans la situation dans laquelle elles sont, même si c'est amical ou familial. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande guérison ici. Qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe et le cavalier de bâton. Très bien. Le 7 de coupe me dit qu'il y aura du choix ici. Il y aura quand même beaucoup plus. Tu vois, il y a plus que tu ne le penses. Il y a du potentiel ici avec ce 7 de coupe. C'est la carte qui exprime les rêves, qui parle de fantasmes, qui parle de désirs. Donc, on va ici des opportunités qu'on se crée, qui viennent à soi, bien entendu, mais parce que je te dis, tu te les crées aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez rapide qui vient pour toi. Alors peut-être d'ici, hein, je dis bien, peut-être d'ici la saison du Scorpion Sagittaire. Les gens qui vont me dire, non, c'est pas rapide. Ouais, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a un mois, j'étais en janvier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Mais il y a des choses, il y a des possibilités. Alors, tu vas savoir faire le tri. Tu vas quand même savoir faire le tri. C'est ce qu'on est en train de me dire quand même. J'ai l'impression que tu veux beaucoup, cancer. Tu veux tout. Alors fais quand même un tri et va vers ce qui te passionne le plus. Ne reste pas non plus en contemplation devant ce que tu dois faire. Agis. On te demande de l'action. J'ai beaucoup de cartes de coupe ici, hein. Cancer, poisson, scorpion, sagittaire et un petit peu de taureau, vierge, capricorne. Je pense que tu as aussi conscience que tout n'est pas bon à prendre. Que ce côté candide, peut-être, ou naïf, est quelque chose qui doit être laissé derrière toi. Même si ça fait encore partie de toi, parce que ça représente ton authenticité. Mais il y a quelque chose ici qui me dit que tu vas être plus alerte.
moins dans l'utopie, moins dans le fantasme. Même s'il y en a, même si ça t'empêche pas de rêver, il y a quelque chose qui vient pour toi. Mais il y a moins de naïveté, moins de candeur de ton côté. C'est ce que je ressens. Hein. Et t'as pas envie de te faire des illusions. Tu vas regarder vraiment les choses comme elles sont. Et là, on te demande, quoi qu'il en soit, d'agir. Je dirais pas de pas trop réfléchir, mais de pas trop perdre de temps. Parce que là, dans ton challenge, c'était quand même la notion de temps. Parce que cette 7 de pentacle représente la notion de temps. Je t'ai dit, hein, peut-être que tu as perdu trop de temps à quelque chose. Ou ne, non, vas-y. Et tu vas avoir cet état d'esprit. Hein. Tu vas passer de la phase de rêve à la phase de concrétisation. Voilà ce que je ressens pour toi, mon cher cancer. On continue avec mes lions. Mon cher lion, signe de feu. Allez, on y va tout de suite pour toi. Alors, c'est un tirage qui, pour moi, est intemporel, c'est-à-dire au moment où tu regardes cette vidéo. Et puis, ça a une durée, entre guillemets, de validité. J'aime pas trop dire ça, mais on est quand même sur une temporalité assez courte, environ un mois. J'espère ici t'aider à trouver des solutions, à évoluer, à t'apporter quelques conseils. On va voir un petit peu ce qui représente tes challenges, tes atouts et l'évolution ou les conseils. Regarde tes trois placements. Allez, pour toi, mon cher ami, qu'est-ce qu'on a en termes de challenge? On a ça. Dis donc, elle a eu du mal à venir, ça, elle ne voulait pas. Hein. Pour tes atouts, mon cher lion, qu'est-ce qu'on a là? Et puis, comment ça évolue ou les conseils? D'un côté, on a ça. Alors après, on a le roi de pentacle qui est déjà sorti une fois pour un des autres signes et pas dans le même tarot. Pas le même jeu. Et on a... Non, on m'a dit non. Hein. Non, j'en veux que une. Allez, une. Et qu'est-ce qu'on a là? Le roi de bâton. On a des rois, hein. On a peut-être des personnages. Peut-être que ça correspond à... Alors, ça peut correspondre à des éléments hein, que tu as en toi. Les bâtons représentent justement ce côté action, ce côté proactif, ce côté aller au bout de ce qu'on souhaite et de ce qu'on désire, mettre de l'action. Le roi de pentacle, c'est celui qui représente la stabilité, la sécurité, la crédibilité, l'ancrage. Donc, ça peut être sur deux personnes différentes autour de toi. Peut-être qu'il y a du monde, peut-être que ça concerne du monde, ce tirage. Ou alors, on parle de positionnement par rapport à ce que toi, tu souhaites de direction ou de positionnement. Quelque chose représentant l'action, la passion et l'autre, la durée, la stabilité. Ton challenge, le valet d'épée. Ok. Ton atout, le pendu. Très bien. Bon, tu vas changer d'avis. Tu vas. Oh, il y a beaucoup de compréhension dans ton tirage. Ouais. Alors, tu sais, on peut le tourner au niveau relationnel, hein, clairement. Ou sur une voie. C'est un petit peu entre la passion, la raison, l'action, l'ancrage ou la stabilité. Aller vers une situation où tu vas, par exemple, au niveau du boulot, tu te diriges vers quelque chose qui t'anime, qui te fait plaisir, qui te fait bouger éventuellement, sur lequel tu as un sentiment quand même de puissance, mais sans être dans le côté mégalo, hein, mais un sentiment de puissance. Et par contre, il peut y avoir une incertitude quant à la pérennisation du truc, alors que là, on peut être sur quelque chose qui est sûr. Et qui est plutôt bien, hein, parce que j'ai quand même des pentacles, mais est-ce que il manque pas un peu le piment du roi de bâton, là? Ça peut être deux personnes autour de toi. Parce que traditionnellement, le roi et la reine de bâton peuvent représenter l'amante du tarot. C'est possible. Et peut-être que là, il y a une relation avec quelqu'un qui est peut-être, avec lequel tu es peut-être engagé, ou tout simplement deux personnes si tu es célibataire, l'un représentant ce que je t'ai dit et l'autre ce que je t'ai dit aussi. Je ne vais pas me répéter. Alors, attends deux secondes, j'allume un petit peu de Palo Santo. Tu en as peut-être besoin, toi. Lion. Ok. Ça peut être aussi par rapport à un choix de vie. L'aventure ou la sécurité. Bon, le valet d'épée, c'est dans ton challenge. Alors, le valet d'épée, c'est quand même le valet le moins... On va dire le moins ancré du tarot. Ouais, c'est le moins ancré. C'est celui qui a quand même ce petit côté instable. Il a quand même ce côté instable. C'est quelqu'un qui mérite d'être
d'avoir plus de connaissances, qui doit creuser, qui doit agir plus que de regarder et de contempler. Il y a peut-être quelque chose sur lequel tu es justement le valet d'épée, tu es plus en contemplation, en observation qu'en action. C'est ce que je ressens. Ça peut être un rêve, ça peut être, voilà, j'en ai marre, j'ai envie de bouger de travail, j'ai envie de changer de région, j'ai envie de changer de pays, mais en même temps, je ne fais rien. Alors, je me renseigne peut-être, certes, mais je ne fais que me renseigner. J'ai peut-être deux personnes autour de moi, mais je ne sais pas, j'observe, je ne sais pas quoi faire. En plus, on est quand même sur deux rois. Si c'est des personnes, on est quand même sur des personnes qui ont la même énergie. Deux rois, on n'est pas sur un roi et un valet, ou un valet et un... Non, on est sur deux rois. Alors, je te sens très agitée, mais pas dans forcément le bon sens du terme, puisque ça représente un personnage un peu perturbateur. Hein. L'élément que tu n'as pas vu peut-être venir, la chose que tu ne maîtrises pas, le sentiment éventuellement que tu ne maîtrises pas. On t'invite ici dans ton challenge à ne pas te précipiter quoi qu'il en soit. Ne pas te contenter de ce que tu observes de loin. Être non seulement dans la recherche, observe dans la curiosité, hein, dans la recherche plus poussée pour obtenir des informations véridiques ou tout simplement avoir des, j'ai envie de dire des certitudes, même si voilà, on n'est jamais réellement certain à 200% de quelque chose, mais au moins d'avoir des informations vérifiées par toi-même, ok? Ne pas te laisser aussi influencer par l'extérieur, parce que ça peut représenter la peur de ce qui peut se dire autour. Qu'est-ce qu'on va dire, peut-être les rumeurs, les potins, ça peut représenter ça. Ça peut représenter ça. Ne pas t'attacher forcément à ça. Je pense que ça peut représenter pour certains une forme de fragilité. On a peur aussi d'agir à cause de ce qu'on peut penser de soi. Il y en a qui vont me dire, j'en ai rien à faire, et tant mieux. Mais il y en a, non, c'est pas le cas. D'accord? Je te devance sur ce coup-là. Il peut y avoir aussi de belles paroles, mais pas d'action, comme je te le dis, ou des promesses non tenues. Donc, je te sens dans une position assez faible, parce que là, en face, j'ai quand même des rois. Donc, ça peut représenter, comme je te dis, des situations, des voix, des personnes. Mais là, toi, dans ton challenge, un valet d'épée. Alors, ça peut représenter aussi une personne plus jeune. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un autour de toi qui nécessite ton action et qui bloque, entre guillemets, qui a en tout cas pas forcément le mot bloqué, mais voilà, ça peut être, voilà, je suis une maman, j'ai des enfants, je ne peux pas faire n'importe quoi. Tout bête, hein, ça peut être ça. Puis, ça a une grande importance, hein, quoi qu'il en soit. Ça manque d'ancrage, hein, dans ton challenge. Il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque d'action. Peut-être il y a besoin de communiquer. Communiquer quelque chose. C'est dingue parce que si ça représente des voix professionnelles, on parle de sensibilisation. Sensibilisation. Il faut être... Comment dire? C'est comme si on a besoin d'en parler peut-être autour de soi, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on a besoin éventuellement de sensibiliser son entourage aux voix qui se dessinent devant soi. Il peut y avoir de ça. Tout ça, ça représente tes challenges. J'ai l'impression que tu as du mal. Au niveau de l'expression et de l'action, tu as du mal, quoi qu'il en soit. Tu te sens très fragile dans une position peut-être un peu faible. Je te sens très, très intéressée néanmoins. Mais ça peut être aussi tout simplement que tu as peur. Tu as peur justement de promesses non tenues. Tu as peur de quelque chose qui ne tiennent pas la route. Et donc, tu es un petit peu en retrait. Alors, quoi qu'il en soit, il faut que... Il y a peut-être quelque chose qui te met la puce à l'oreille, ou qui t'a mis la puce à l'oreille, ça peut être le cas avec le valet d'épée, et ça fragilise ta prise de décision. Quoi qu'il en soit, on te pousse ici à en savoir plus. Ne te précipite surtout pas, ok? Alors, le pendu, ce qui est très bien, c'est une carte hautement spirituelle. Ce qui est dans ton atout, cher Lion. J'ai l'impression que tu as la capacité, tu as quand même
On est un petit, on se maîtrise ici, on se contrôle. Et tu as quand même, pour moi, cette possibilité ou cette capacité à freiner un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui peut aussi dépendre de toi. Je ne pense pas que tu subisses énormément. Je pense que tu as quand même, je ne dis pas peut-être pas l'entière maîtrise de la situation, mais que c'est comme si ton action ou ton inaction compte beaucoup. Donc, tu peux changer la donne. C'est ce qu'on est en train de me dire. Avec le pendu, on me dit que tu as cette volonté ici de... Tu sais peut-être qu'il y a quelque chose à sacrifier. Tu en as conscience. Tu sais aussi que tu as besoin de t'éloigner, de lâcher prise. C'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi un challenge pour toi. Tu as besoin d'informations. Tu ne les as peut-être pas. Mais en même temps, tu te donnes le temps de les avoir. Ou d'aller creuser. C'est possible. Le pendu, c'est quand même un moment de pause intentionnelle où tu lâches le contrôle, où tu lâches prise et tu sais comment faire, tu sais que tu peux le faire et tu sais que tu en as besoin. Et surtout que c'est nécessaire dans cette situation, que ça peut te faire que du bien. Je te semble, tu vois, il a beau être pendu, mais il n'a pas l'air de souffrir. Donc moi, j'ai l'impression que... en plus, il ne se débat pas. Donc... On lâche prise face aux circonstances qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est très, très bien de ton côté. On accepte quand même qu'on puisse qu'on soit bloqué et que ça nécessite de voir les choses différemment pour prendre la meilleure des décisions. Et si notion de sacrifice il y a, ça dépend pour certains, on sait qu'il y a un sacrifice, donc voilà, on ne fait pas n'importe comment les choses. Tu vois, je t'ai dit, hein, ne te précipite pas, peut-être que tu as eu cette volonté ou cette... Tu vois, parce qu'il est en ébullition, lui. Peut-être que tu as eu un peu ça dans ton challenge, peut-être que c'est ça que tu dois maîtriser. Mais tu y arrives avec le pendu. Tu mets quelque chose en suspension. Ce n'est pas le moment de prendre, pour certains, une décision. Et tu en as conscience. Donc, tu vas prendre du recul. Et tu vas voir ce qu'il y a besoin de sacrifier, si le sacrifice est nécessaire, etc., etc. Ça, c'est bien. Il y a une formidable leçon spirituelle ici, tu vois. Ah, bah dis donc, toi, t'es pas rien. Alors, l'as d'épée me parle de lucidité et de solution. Tu vas savoir exactement dans quoi tu vas aller, quoi qu'il en soit. L'as d'épée, c'est quand même une carte qui me parle de solution, de nouveau départ, de communication claire et nette ou de clarté. Donc, cette clarté, tu vas l'avoir. Et peut-être avec ce 10... Bah, de toute façon, ce 10 d'épée met fin à cette situation. Dans le sens, on met fin à l'attente, on trouve la résolution, il y a quelque chose. Alors, s'il faudra abandonner une situation par rapport à une autre, on va le faire. S'il faudra tout simplement choisir, c'est pas le mot abandonner, peut-être choisir, on va le faire. Il y a une grande lucidité quant à ses capacités propres et à ce qui va se dérouler. On est dans les épées ici, on est dans des communications. Et je pense que pour certains, c'est abandonner quelque chose au profit d'une autre, comme je l'ai dit. Il y a un pouvoir ici du mental, très fort. En même temps, c'est pas pour rien que tu es dans le pendu. Tu as un pouvoir du mental qui est très fort et tu as vraiment cette réflexion qui va être poussée au point de savoir exactement ce que tu dois faire. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être privilégié par rapport à une autre. Ça me parle aussi de réussite. Hein. Donc, tu vas avoir... une décision à prendre. Et cette décision, tu vas la prendre. Et elle va t'amener cette résolution et cet apaisement derrière. Parce qu'on parle de guérison aussi avec le 10 d'épée. Alors, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou toutes les décisions ne sont pas faciles à prendre, mais quoi qu'il en soit, tu vas te lancer, tu vas y aller, hein, Lion, Bélier. J'ai dit Bélier, mais peut-être qu'on parle, mais pourtant, c'est ta carte Lion. Hein. Donc, au niveau des signes, on a du Gémeaux, Verseau, Balance, fortement, Poisson, j'ai envie de dire Bélier, Lion, bah, j'ai peut-être un Bélier, hein, et le Roi de Pentacles qui peut être signe de terre, hein, Taureau, Vierge ou Capricorne. Tu vas bien mieux comprendre ta situation, quoi qu'il en soit. Voilà tes messages pour toi, cher Lion. À tout de suite pour mes Vierges. Pour mes Vierges, on y va tout de suite. Alors, on va regarder un petit peu tes challenges, tes atouts et conseils ou évolutions, en tout cas. J'espère t'apporter un petit coup de main, sans prétention.
N'hésite pas à regarder tes trois placements. On est sur un tirage intemporel. C'est au moment où tu regardes cette vidéo. Et pour la validité, si je peux m'exprimer ainsi, c'est plutôt un mois à partir du moment où tu la regardes. Allez, on y va tout de suite pour mes vierges. Quel est ton challenge? Alors, bien entendu, ça peut être toi face à toi, comme ça peut être par rapport à une situation qui t'est externe, qui est externe à toi. Allez. OK. Allez, pour mes vierges, challenge. Atout. Des fois, c'est bien quand quelqu'un te dit que tu as les atouts nécessaires. On est après sur évolution, conseil. Enfin, voilà, tu vois, je mets un peu tout dedans. Qu'est-ce qu'on a en deux deck? Le roi d'épée. OK. Et donc, en résolution ou en conseil, on a ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Le pendu. Challenge. Il y a un engagement ici, ou un sentiment, ou ta stabilité ici. Ta stabilité, ton engagement, ton harmonie, tes engagements, ton réseau social. T'as tout. L'étoile, magnifique. Alors, énergie des poissons, Verseau, Gémeaux, Balance, et un petit peu de bâton. Donc, le 4 de bâton. Le 4 de bâton représente, comme je t'ai dit, les engagements. Et surtout, le sentiment de... Enfin, le 4 est un chiffre de stabilité, donc c'est les piliers. C'est ce qui représente tes piliers, tes fondations. Alors, j'ai l'impression que dans ton challenge, il y a quelque chose qui te, justement, qui te déstabilise au niveau de tes fondations ou de ce que tu croyais être des fondations solides. Ça peut être aussi un engagement au travail, un engagement vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes au niveau de la famille. Ça peut être aussi la maison. Est-ce que en ce moment, tu n'aurais pas des soucis au niveau du foyer, hein, vraiment de la maison, c'est-à-dire peut-être au niveau d'une vente, d'un achat, d'un héritage, c'est possible. De travaux, hein, peut-être qu'on est là-dessus. Il y a pas mal de changements en fait que tu sens qui ne sont pas prévus au programme. Je dis ça parce que j'ai quand même aussi le pendu. Et le pendu qui représente justement les choses qui bloquent. L'impression d'avoir des blocages ou des choses qui, qui te font perdre un peu de ta motivation. On n'est pas forcément en paix, il y a quelque chose qui te tracasse là. Puisque ça représente la paix et l'harmonie. Là, tu ne te sens pas en harmonie. Tu te sens un petit peu, c'est comme flotter dans l'air. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on se regarde d'en haut. Tu vois, par moments, ça peut être le cas hein, chez toi, Vierge. T'as pas l'impression d'être dans la réalité. Ça peut être le cas aussi. T'avais l'impression d'être au clair, peut-être, ou assez solide dans un engagement avec des personnes en particulier, mais c'est pas vraiment le cas. Peut-être que certains se font aussi des soucis par rapport à leur logement, à leur environnement de vie. Il y a peut-être un environnement de vie qui n'est plus un havre de paix. Ça peut être des problèmes de voisinage, ça peut être plein de choses, hein, mais il y a peut-être ça. Tu as peut-être une forme de dispute aussi avec quelqu'un, c'est possible. Il y a quelque chose qui déstabilise les fondations de cette situation. Peut-être que là où vous étiez, là où tu te sentais bien avant, comme je l'ai dit, ou avec une personne, bah, tu te sens plus du tout en accord avec cette situation. Les choses changent et évoluent et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'accorder, à évoluer main dans la main avec cette situation ou cette personne. Peut-être que certains, concernant l'engagement, voilà, il peut y avoir quelqu'un d'engagé, de déjà engagé, c'est un problème, bien entendu. C'est possible. Donc, si c'est un souci, ça ne fait que accentuer un sentiment de solitude dans ce lien. Et pourquoi? Et plein de questionnements. Et pourquoi? Et donc, du coup, ça bloque. Ça ne fait pas évoluer le lien. Ça peut être aussi le cas. On peut aussi être dans quelque chose qui est assez rigide, qui a peu de marge de manœuvre. Parce que je le vois quand même, et même si dans tes atouts, je vois quand même le roi d'épée,
je vois quand même là le blocage, et puis ça peut être aussi quelque chose d'assez rigide. Donc, tu as le droit de revendiquer quelque chose, mais j'ai l'impression que tu te sens, peut-être que tu revendiques quelque chose, mais que ça ne se résout pas aujourd'hui, là maintenant. Peut-être que tu vois beaucoup de 11-11, c'est possible. Peut-être, ouais, c'est possible que tu vois beaucoup de 11-11. On est en train de parler avec le 4 de bâton aussi de rite de passage. Il y a quelque chose qui potentiellement, et tu es peut-être en transition entre deux mondes, et c'est un rite de passage. Cette transition, elle est peut-être compliquée, et pourtant on est en train de te dire que tu vas gagner en harmonie. Donc tu te sens peut-être totalement déstabilisé ou déphasé, mais c'est un rite de passage. C'est pour ça que j'ai l'évolution qui est là. Alors certes, on ne la voit pas maintenant avec le pendu, mais derrière, après le pendu, il y a la mort. Donc là, on est quand même sur une renaissance. Donc j'ai envie de te dire, tiens bon, si c'est vraiment le cas, pour beaucoup ça va être ça, hein, cette énergie générale, tu es dans une transition, ça va être harmonieux, ça va amener cette stabilité, un peu de temps, et cette énergie de transition, faut qu'elle t'apporte des leçons, faut que tu en fasses justement une force et un apprentissage, un enrichissement personnel, même si c'est compliqué, c'est important. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des allergies là? Alors, dans les atouts, j'ai quand même l'étoile. Magnifique. Donc, j'ai l'impression ici qu'on peut parler de, bah, qu'on parle de choses qui se réalisent. Hein. Fais un vœu en fait. Puisqu'on est quand même dans tes atouts, il y a quelque chose qui parle d'un objectif qui est atteint. On peut parler d'une période ici, ou tout simplement d'un potentiel en toi de créativité. Il y a aussi, c'est une carte aussi de communication, donc j'ai l'impression qu'il y a une communication qui est importante ici, que tu as envie de donner ou que tu vas recevoir. J'ai aussi le roi d'épée, quelque chose d'assez clair qui arrive pour toi. Peut-être aussi tout simplement que tu vas voir cette période d'éclaircissement arriver. Tu vas être éclairé, tu vas être dans ta juste, dans ta juste, dans le chemin juste. Dans la vérité aussi, parce que le roi d'épée, c'est la vérité. Je sens qu'avec un peu de discipline, ce qui peut être ton atout, puisque quand même, tu es vierge, les vierges, elles sont quand même assez carrées, elles aiment la méthode. Donc, quoi qu'il en soit, on est en train de te dire que ça va t'apporter. On parle de protection, de douceur, de réussite, avec de la discipline, avec aussi, surtout, le ressenti. Pas que je pense, mais. Vibrer aussi le fait que tu es dans le bon chemin. Ça, c'est possible. Pour certains, il peut y avoir une réconciliation à venir avec quelqu'un en particulier, mais ça peut être un membre quelqu'un de la famille. Ça peut être de la famille aussi. Il peut y avoir cette réconciliation. Mais ça passe aussi par de la communication. Tu es capable ici, hein, j'ai envie de dire, tu vois, elle a quand même des vases communicants. Hein. C'est chacun fait un petit bout aussi. Je vais pas forcément. Je vais parler aussi d'expression. C'est important de s'exprimer. Et c'est dans tes atouts. Je pense que tu sais bien t'exprimer. Tu sauras établir certaines limites avec, certes, fermeté, mais bon discernement. Il y a quelque chose comme ça qui évolue favorablement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Niveau 3 d'épée, on parle de guérison et As d'épée qui est ressorti, ben, qui était déjà aussi dans l'énergie du lion, hein, il me semble. Donc là, on est en train de parler de guérison. Bon, je pense à un éveil spirituel certain. Tu vas savoir exactement, tu vas te dire en fait que tout ça n'est pas arrivé pour rien. Tu reprends un chemin beaucoup plus clair, beaucoup plus éclairé. Le 3 d'épée parle de cette capacité que tu as hein, ici. On parle de guérison aussi avec l'étoile. Donc là, on parle de guérison deux fois. On parle de dépassement ici de crainte, de dépassement de période, on va dire, difficile, parce que je t'ai parlé de rite de passage. Donc là, on est en train de te dire que ça va aller. Mais il faut que tu aies conscience que ces blocages sont peut-être nécessaires et que ça doit t'apprendre beaucoup plus de choses en toi, par rapport à une personne. Voilà. On guérit de quelque chose, quoi qu'il en soit. Ou sinon, on sait exactement ce qu'on doit faire. Notamment si tu es avec quelqu'un qui potentiellement est déjà marié, tu sauras exactement ce qu'il faudra faire. Ça, c'est clair. Une décision sera prise, ou en tout cas, tu auras la clarté nécessaire
par rapport à cette personne et par rapport à tes, mais qui sont aussi en rapport avec tes désirs profonds. Donc c'est pas, on fait pas n'importe quoi avec l'as d'épée, puisque c'est la vérité et c'est l'honnêteté. Donc là, quoi qu'il en soit, on a le chemin, le chemin le plus pur, on va dire, qui se dessine pour toi. Voilà tes messages, mon cher, ma chère Vierge. On continue tout de suite avec mes balances. Hello, hello, chère balance, c'est Mina. Allez, on y va tout de suite pour toi. Challenge, atout, conseil, en tout cas évolution. J'espère qu'à travers ce tirage, tu trouveras quelques réponses. N'hésite pas à regarder tes trois placements. C'est un tirage intemporel. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, et peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, il y a en gros une validité d'environ un mois. Ce tirage, pour moi, est valable un mois. Allez, on va regarder tout de suite ce qui est ta position de challenge. Tiens, je changeais de tarot. En challenge pour toi, chère balance. En atout. Alors, ça peut être toi face à toi. Hein. Je ne mets pas forcément de domaine précis. En atout. Donc, l'évolution, les conseils, ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le chariot, énergie du cancer. Dans les atouts, donc c'est pas mal. On parle de confiance retrouvée. On parle de... d'assumer ses choix. Ouais, on se décoince hein, ici, dans quelque chose. Oh, j'en ai deux, j'en voulais pas deux. Allez. Donc, qu'est-ce que j'ai en d'autre deck? Le 6 de denier. Qui est sorti quand même deux fois hein, dans les tirages que j'ai fait. Allez, dans les challenges. Le 4 d'épée. Bon. Il y a quelque chose sur lequel tu n'es pas très actif. Il y a une situation dans laquelle tu n'es pas actif ou sur laquelle tu ne te prononces pas. Sur le long terme, le 4 d'épée, ça incite quand même à trouver un équilibre, on va dire durable, entre la pensée et l'action. Sauf que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plus dans la pensée. On n'est pas du tout dans l'action. J'ai un côté, c'est dingue ce que je vais te dire, j'ai un côté cartésien dans ta façon de voir cette situation, il y a un côté cartésien. Je ne dirais pas que tu n'es pas spirituel, mais j'ai un côté cartésien qui prend le dessus. Ou tu cherches peut-être le côté cartésien de la situation. Il y a quelque chose qui demande ton attention et ton action. Hein. C'est pour ça que dans ton atout, il y a le chariot qui représente l'action justement. Après, on peut parler de quelqu'un qui est un petit peu trop zen par rapport à quelque chose, qui ne sent peut-être pas l'urgence à agir. Peut-être que tu as aussi une personne qui ne communique pas avec toi. Et ça représente le challenge de cette situation. Puisque tu as quand même le 6 de denier qui est justement cet équilibre, ce bon donner et recevoir. Il y a peut-être quelqu'un que... C'est peut-être un challenge aussi pour toi de rester dans cette position zen face à une situation qui ne l'est pas. Il peut y avoir aussi de ça chez toi, sur Balance. Ouais, je ressens ça. Parce qu'il y a quand même une volonté ici de s'équilibrer. Mais encore une fois, pour certains, il y a ce côté je n'agis pas, je ne vois pas forcément, je ne donne pas forcément d'énergie. Et ce qui est aussi dans le challenge, le 6 de denier représente la générosité. Donc, il n'y a pas vraiment de don ici de soi, mais tu as peut-être sûrement des raisons. Mais si ça représente le challenge, c'est que c'est peut-être ton challenge, c'est-à-dire tu te sens obligé de ne pas agir ou de ne pas communiquer alors que tu as envie de faire le contraire. Je ne sais pas comment tu peux le voir. Hein. Je te sens quand même assez stressé. Ouais, il peut y avoir aussi du stress. Et tu cherches à tout prix, justement, à prendre du recul. Ouais, tu cherches à t'apaiser, quoi qu'il en soit. On est quand même sur un 4. Le 4, c'est un chiffre qui ramène à la stabilité ou à l'ancrage. J'ai l'impression d'une leçon de vie ici, qui est difficile pour toi. Alors, je ne suis pas en train de te dire bien fait, bam, non. Je suis en train de te dire quand même qu'il y a une leçon de vie derrière tout ça. T'as du mal en fait à te concentrer sur toi et toi seul, je pense, et
à t'isoler de tout ce qui peut te, de tout ce qui est extérieur et qui peut influencer. Où il y a des situations externes qui influencent beaucoup ton calme interne. J'ai l'impression que tu ressens peut-être une pression externe, ouais. Et que tu as du mal à mettre des mots sur tes ressentis, sur tes émotions. À titre personnel, hein. Vraiment. Désolée pour le bruit, il y a quelqu'un qui fait des travaux là. C'est pas possible. J'ai l'impression que tu as. Il y a une forme de. Il y a du mal à trouver l'énergie ici. Ou les mots. M-O-T-S. Peut-être du mal à trouver l'énergie ou à trouver ou retrouver le sens de ce que tu souhaites donner à tes projets. Donc du coup, je sens comme un blocage ici au niveau de l'action et de la communication. Mais ça peut être une personne. Hein. Ouais, y a pas trop de... Tu tentes d'être zen face à une situation, si ça peut être le cas. Je tente d'être zen alors qu'en fait, non. Qu'est-ce que j'ai derrière? La mort. Ok. Bon, dans ce qui est ton atout, quoi qu'il en soit, j'ai quand même le chariot ici. Donc le chariot m'indique quelque part qu'il y aura de l'action, c'est possible, qu'il y a un choix qui va être fait et qu'on va en assumer les conséquences. En tout cas, qu'on va se sentir poussé. On cherche de toute façon... déjà, on a la confiance en soi pour se motiver, pour avancer. Et on cherche une résolution. On cherche à être dans le mouvement ici. Et ben voilà. Le 6 de bâton dans ton est. Ok. Le 6 de bâton, c'est la confiance en soi. Donc ouais, j'ai l'impression que, tu vois, ce 6 de bâton n'arrive pas pour rien. C'est déjà en toi. On est en train de te dire que tu peux avoir de l'influence dans ces situations. Que tu peux aller vers le succès. Que peut-être tu estimes... que c'est peut-être perdu d'avance pour certains, c'est pour ça que tu es paralysé un petit peu dans tes actions et que tu tentes de garder la face peut-être. Mais on est en train de te dire que tu as quand même ce poids ici. J'ai l'impression qu'il y a une notion de fierté qui prend le dessus, prend le devant, que tu mets en avant. Tu as comme atout l'énergie ici. L'énergie qui est déjà en toi et que tu peux trouver pour justement aller dans des déployer des actions, déployer ton énergie dans des actions qui te sont chères. Là, c'est la motivation, c'est on se sent poussé, guidé, on n'a pas peur. On va se dresser face aux obstacles. Et les choses, tu vas te rendre compte qu'elles vont se débloquer. Il y a peut-être quelque chose que tu crois ne pas être possible, mais qui au final l'est. Peut-être que tu as un manque de confiance en toi et pourtant, on est en train de te dire que si, déjà non seulement tu peux avoir cette... Tu as cette confiance qui ne demande qu'à s'exprimer ou tu as cette... comment on peut dire? Cette force interne. Tu sais, c'est celui qui... c'est celui qui réussit à dépasser le chaos et l'incertitude. C'est celui qui sort son épingle du jeu. Ça fait suite aux 5 de bâton. Les conflits. C'est aussi celui qui dépasse les challenges. Donc moi, j'ai envie de te dire, tu l'as cette force interne. Et peut-être que tu as cette personne, elle a de l'intérêt pour toi, j'ai envie de te dire, Balance. Mais peut-être que tu n'y crois pas. Ou peut-être que tu penses ne pas pouvoir dépasser une situation, mais si tu peux. Le 6 de bâton, c'est aussi l'importance qu'on a, qu'on se donne, bien entendu. Et ce qu'on dégage au niveau des autres, puisque c'est quand même quelqu'un qui a une visibilité, qui est vu, qui est reconnu. Il y a peut-être aussi cette reconnaissance de soi, cette reconnaissance que tu cherches aux autres, mais que finalement, tu ne vas pas aller forcément faire valider par les autres. Il y a besoin, toi, de te valider dans un chemin et pas attendre une validation externe. C'est ce que je ressens aussi. Ça parle quand même de succès, de couronne. Mets cette couronne sur toi-même d'abord avant de la mettre sur quelqu'un d'autre ou sur une situation ou sur ce que peut t'apporter une situation. Mets-toi d'abord en avant, mets-toi en valeur, c'est ce qu'on est en train de te dire. J'ai l'impression aussi qu'on parle de respect.
Imposer le respect. Se respecter avant tout. Quelque chose comme ça. Tu as tout ça, hein, déjà. Et c'est ce qui va t'amener à un triomphe, à un succès. On est quand même sur le mouvement et la réalisation de soi dans une situation. Il y a quand même quelque chose comme ça. J'avais deux cartes, mais j'arrive. L'as d'épée, et, ouais, tu vois. Wow, là, tu es dans l'élément R. Reine d'épée, 8 d'épée, as d'épée. Bon, tu vas te débloquer. Il y a une communication qui peut débloquer beaucoup de choses ici. Et j'ai l'impression que tu as besoin de t'autoriser, peut-être, à dire ce que tu as besoin de dire, à t'exprimer, à te mettre en avant, à trancher, à mettre de côté et derrière soi les complexes, les pensées qui sont de toute façon, qui ont des limites ou qui ont des impacts au final que dans le théâtre de ton esprit et qui peut-être dans la réalité n'ont pas lieu d'être, n'existent pas ou ne donnent pas autant d'importance que tu ne le penses. Ici, il y a vraiment une reconnaissance de soi. Et puis, la reine d'épée, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle doit faire. Donc, cette solution, tu vas la voir. Tu vas la trouver. Mais pour beaucoup, vous avez déjà beaucoup d'éléments en vous. Il se peut qu'il y ait une situation relationnelle ici qui trouve une issue, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression avec la reine d'épée qu'on comprend le sens de quelque chose. C'est renforcé par l'as d'épée. On comprend le sens de sa vie, on comprend le sens de cette relation ou du potentiel de cette relation, je ne sais pas, mais on comprend quelque chose. Il y a un esprit critique très, très fort ici. Alors, tout dépend de comment tu ressens la situation, mais si c'est quelque chose au niveau relationnel, soit tu t'empêches d'aller vers quelqu'un, ça peut être le cas, et pourtant on est en train de te dire que tu as tous les atouts pour, hein, qu'ils soient physiques, intellectuels ou autres, tu as tous les atouts, et peut-être qu'une communication débloquera vraiment le tout. Hein, en tout cas, ça peut être un conseil aussi, vraiment, et ça te permettra tout simplement d'évoluer. Pour d'autres, c'est vraiment une situation dans laquelle tu n'es pas forcément bien et tu y restes peut-être un peu coincé par manque de confiance, par manque de visibilité. Et pourtant, on est en train de te dire que le choix, tu vas le faire. Tu vas te débloquer dans une situation. Et là, tu es dans ton élément R, hein, comme je te le dis. Et peut-être que tu as besoin de dire la vérité, de dire quelque chose ici, d'exprimer. Voilà tes messages, chère Balance, on continue avec mes scorpions. Mon cher scorpion, signe d'eau, mon cinquième élément. N'hésite pas à regarder tes trois placements. C'est un tirage intemporel, c'est-à-dire peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, il sera valable. Et en termes de durée ou temporelle, hein, de temporalité, on est plutôt sur un mois. Allez, pour toi, cher. En tout cas, c'est l'intention que j'ai mise. Pour mon scorpion, au niveau de tes challenges ou de ton challenge, voilà. Au niveau de tes atouts, ton atout, en tout cas, j'espère que cette guidance hein, t'apportera des réponses, en tout cas une direction, ou tout simplement te validera sur le fait que tu as déjà tout en toi. En termes de conseils ou d'évolution, ok, la force dans tes atouts. Ouh, tu n'arrives pas à faire. Je rêve ou il y en a deux? Ah non, il y en a une. Et là, qu'est-ce que j'ai là dans les challenges? Le 8 de bâton. J'ai l'impression que tu as du mal un peu à te contenir, hein, là. Il y a quelque chose qui te challenge et tu as du mal à te contenir, tu as du mal à te retenir. N'agis pas sur des coups de tête, c'est ce qu'on a envie de te dire. Et peut-être que les choses ne vont pas aussi vite que tu le souhaites. Dans ton challenge, le 2 de pentacle, ok. Le 2 de pentacle, alors les deux représentent les unions, hein. Ça représente aussi les dualités. Donc, il y a peut-être ici un choix difficile, une indécision, une difficulté à trouver un équilibre parce qu'il y a une dualité,
parce qu'il y a deux voies, parce qu'on pense qu'il y a deux voies, ça peut être le cas. Ça parle aussi de savoir comment gérer ses ressources propres. Comment on met son énergie? Où est-ce qu'on la met? À quel niveau? C'est toujours peut-être aussi chercher à faire des compromis. Il y a peut-être un problème d'organisation, il y a peut-être un problème de gestion des priorités. Ici, il y a beaucoup de choses qui te déséquilibrent. On va dire ça comme ça. Tu te sens déséquilibré. Peut-être que c'est un lien qui te déséquilibre, un partenariat qui te déséquilibre. Tu sais pas en fait, parce que c'est aussi une carte où on pèse le pour et le contre. Donc déjà dans un sens un peu négatif, on se sent peut-être dépassé par cette dualité ou par le fait qu'on soit obligé de jongler avec deux jobs, de jongler avec deux situations, de faire le lien et le pont entre deux personnes. J'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça qui te dépasse. Il y a une difficulté à avoir, comme je te dis, un équilibre, une harmonie dans une situation. Tu es peut-être dans une phase de transition. J'ai dédié à un autre tirage, mais je ne sais plus quel signe. Mais tu es peut-être dans un... Excuse-moi, j'ai bâillé. Ouh là là, c'était un long bâillement. Ouais, je ne sais plus ce que je te disais, mais tu as peut-être du mal effectivement à trouver ta place. Alors ta place au sein d'un groupe, dans un couple, où tu ne l'as plus, tu ne la trouves plus, c'est possible. Tu dois travailler ici hein, ton équilibre. Tu es peut-être en train de me dire, non mais Mina, je fais que ça. Ok, mais c'est quand même ton challenge parce que ça te, t'es pas serein, t'es pas sereine. T'as peut-être pas un moment pour toi aussi, c'est possible. Donc, et puis juste avant, tu as quand même l'as de pentacle qui est le potentiel. Le potentiel à partir duquel on peut travailler et pérenniser quelque chose dans le temps. Mais les as tout seuls ne veulent, j'ai pas envie de dire qu'ils ne veulent rien dire, mais sur la durée, si on ne les travaille pas, ils peuvent rester en état d'idée. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel ici, mais peut-être que tu as besoin de réajuster ta façon de faire. Tu as besoin de rééquilibrer. Tu as besoin de... Alors, ça peut être une relation, ça peut être un job. Il y a quelque chose ici qui t'a amené des difficultés. Voilà. Et tu as besoin ici de reprendre les rênes. Et tu n'as pas l'impression de maîtriser. Il y a un domaine que tu ne maîtrises pas actuellement. Donc, parce que là, actuellement, si tu arrives à maintenir une forme d'équilibre, c'est au prix de gros efforts. C'est pas forcément naturel. Ou c'est pas. Tu vois, ça te demande de gros efforts. C'est qu'il y a un truc qui. Voilà, déjà, je te sens fatiguée. Voilà, je te sens fatiguée. Et en plus, tu es en train de me dire non, mais j'y vais, je fonce. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'appelle, parce qu'il y a quelque chose que tu sembles juste pour toi. Et je suis pas en train de dire que c'est pas juste pour toi. Je suis en train peut-être de parler de ce que tu ressens actuellement. De ta fatigue, peut-être. Ou de ta difficulté éventuellement à faire un choix. Et pour certains, si cette difficulté, si on parle de difficulté à faire un choix, il y a pourtant des signes, des synchronicités. Il y a des choses qui n'arrivent pas pour rien dans ta vie. S'il y avait quelque chose qui était déjà établi, puis une autre qui arrive et qui te déséquilibre, on parle de synchronicité. On parle, voilà, à toi de faire les choix quand même. Mais ne te précipite pas non plus si c'est ça. Essaye quand même de peser le pour et le contre. Donc tu as tous ces challenges ici, voilà, tu as un petit peu tout ça. Tu es en train de jongler un petit peu avec tout ce qui t'entoure, sans marquer de temps d'arrêt, là. Ça peut être aussi ça. Donc, je sens un stress. Je sens aussi peut-être certaines personnes qui ont du mal à s'adapter à une nouvelle situation. Donc, garde tes priorités. J'ai envie de te le dire, garde tes priorités. Parce qu'en fait, cet équilibre que tu maintiens tant bien que mal, pour certains, ça va parler, tu ne vas pas le maintenir tout le temps comme ça. C'est comme quelqu'un qui a une situation intermédiaire. On n'est pas, si elle s'appelle intermédiaire, parce que peut-être certains sont dans une situation intermédiaire, une transition. Mais ça n'a pas vocation à durer. Il faut agir pour que ça évolue en quelque chose de beaucoup plus ancré. On est dans la suite des pentacles. Je pense qu'il y a quelque chose auquel tu donnes de la valeur. Ok ? Je peux avoir des personnes, alors là c'est un message hyper précis. Je peux avoir aussi des scorpions qui ont cette tendance, actuellement à se sentir un petit peu... tout noir ou tout blanc, tu vois, il y a un tout, tu vois, presque en opposition. Tu avances peut-être presque avec des antagonismes, des oppositions, et donc tu as du mal à te retrouver. Parce que tu te sens peut-être dépassé, hein.
Bon, on va avancer. Alors, au niveau des atouts. Ok. 6 de coupe. C'est pas la première fois qu'elle sort, hein. On parle de soutien ici. On parle d'amour quand même. On parle de simplicité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, ça mérite ici de simplifier certaines choses, certains process. Je le dis souvent avec le 6 de coupe, hein, parce que ça parle de simplicité. Ça parle peut-être aussi de revenir à quelque chose qui était avant, c'est-à-dire, ok, on a le côté original des choses, on a la première pierre, et puis on a bâti d'autres choses autour. Peut-être qu'il est bon de retrouver la simplicité de la première idée, ou de la première chose, ou de ce qui était déjà là et ancré, de ce qui a déjà fait ses preuves. C'est peut-être un message pour certains. Pour d'autres, on peut parler d'âme sœur à l'horizon. Ouais, on peut parler d'âme sœur, on peut parler de quelqu'un qui est en miroir avec toi. Ou peut-être que, tu vois, j'ai deux personnages là, j'ai deux. Peut-être qu'en fait, ce que tu traverses ici, bah, c'est un miroir de ce que tu renvoies. La force me parle quand même d'une force interne que tu as en toi. L'impression que tu tamises un petit peu, tu domptes tes peurs. Ouais. Tu vas dompter quelque chose. Tu vas arriver au bout. Ça fait partie de ta force interne. Ça fait partie de tes atouts. Ta motivation, ton endurance, la pureté des sentiments, la pureté des choses que tu veux mettre en place, de tes pensées, de tes ressentis, de ta position. Et encore une fois, dans la force, il y a ce côté femme et bête, et elle dompte la bête. Et dans certaines illustrations, c'est ce côté douceur, calme en apparence, mais je sais ici faire sortir le lion en moi quand il le faut. Donc utilise à bon escient tes ressources, Scorpion. Je sais pas pour qui ça peut parler, mais je te le dis. Tu vas lâcher prise sur quelque chose. Tu vas simplifier non seulement les actions, mais aussi l'état d'esprit qu'il y a autour. Tu vas aussi te débarrasser de remords, de regrets, de poids du passé. Tu vas réussir à le faire. Ça va te permettre d'avancer. C'est justement pas, c'est pas ce qui va te retenir, justement, c'est ce qui va t'aider. C'est ce qu'on est en train de te dire. Bon. Ok, 3 de bâton, ouais. Bon, écoute, 3 de bâton, 8 d'épée. Bon, certes, oui. Alors, il y a le 3 de bâton. C'est bien, 3 de bâton, c'est une énergie de manifestation. C'est le plan, le plan. T'as un plan, hein, ici. T'as quand même un plan pour l'avenir. Tu vas partir, tu vas prendre de la hauteur. Tu vas regarder loin devant toi. Tu vas chercher, en tout cas, les choses qui peuvent se pérenniser. Tu vas chercher où tu peux, dans quelle direction tu peux aller, ce que tu peux conquérir. Mais t'as un plan. T'as un plan et tu sais que des opportunités vont venir pour toi. Déjà, t'as cette intime conviction. Et t'as aussi ce côté, maintenant, je me tourne vraiment vers l'avenir, vers l'avant. Il faut que je mette en place quelque chose ou que j'aille de toute façon regarder devant moi. Plus rien, les émotions négatives du passé ou quelque chose du passé qui est négatif ne doit pas me retenir. Après, ça peut tout simplement être une meilleure organisation. On dépasse quelque chose ici. Je t'ai dit qu'il est possible que tu aies besoin de revoir tes priorités ou que tu aies deux situations en même temps. Et donc là, on est en train de mettre en place un plan. Un plan justement pour s'alléger, pour se sentir mieux, pour se sentir à sa place. Tu vas avoir quand même cette visibilité ici. C'est une carte de conquête, c'est une carte d'ambition. Je sens beaucoup d'ambition chez toi, cher Scorpion. Il y a de l'ambition, il y a la réussite, il y a la manifestation positive. Donc moi, j'ai l'impression que tu vas aller plus loin et tu en as conscience. Et peut-être que tu sens de toute façon qu'il faut aller plus loin dans cette situation pour justement en dégager, hein, quelque chose de positif. On est sur l'expansion, on est en train de travailler ses peurs, ses croyances limitantes, on est en train d'y aller avec sagesse quand même. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de ce tirage. Et tu sais qu'il y a un succès à l'horizon. En tout cas, tu sais que ce que tu es en train de faire là n'est pas pour rien. C'est peut-être pas un sacrifice pour rien. En tout cas, voilà, ce sont tes messages, mon cher Scorpion. La solution, elle est peut-être à tes pieds, avec le 8 d'épée. Elle n'est peut-être pas si loin que ça. Tu l'as peut-être déjà, voilà. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas
si, on va dire, si invisible que ça. Voilà tes messages, cher Scorpion. On continue avec mes Sagittaires. Mes petits Sagittaires, signe de feu, on y va tout de suite pour challenge, atout, évolution, conseil. J'espère que ce tirage peut t'aider. Alors, c'est un tirage intemporel, comme je l'ai dit. C'est au moment où tu regardes cette vidéo, et peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, les messages sont en gros valables un mois. J'aime bien quand je dis valable un mois, on dirait un code promotionnel. Allez, pour toi, mon cher Sagittaire, regarde tes trois placements, voir le signe vénusien, on y va. Au niveau de tes challenges, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Ok. Tes atouts. Oh bah dis donc, elle a sauté celle-là. Hein. Bon, bah je vais la mettre. Hein. Conseil, évolution, qu'est-ce qu'on a là ici? Oh bah, tu vois, j'ai pas voulu la retourner en plus, alors qu'est-ce qu'on a? Coupe. Oh, je fais ce qui me plaît. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture ici. Une connexion aux émotions, à la créativité, vraiment. Beaucoup de créativité, beaucoup de gratitude, beaucoup de vœux exaucés ici pour toi. Waouh! En fait, tu sais exactement ce que tu veux. Et tu vas revendiquer quelque chose. Y a des solutions aussi pour toi. Allez, ah, la tour. J'ai beaucoup d'énergie, cancer, poisson, scorpion. Et scorpion deux fois. Hein. Je sais pas si ça concerne un scorpion ou si tu as du scorpion dans ton thème astral, mais ouais, cancer, poisson, scorpion. Ok, la reine de coupe. Alors, moi, j'ai l'impression que tu dois être connecté à ton cœur. Tu vois, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a guéri. Peut-être qu'il y a des blessures à guérir ici. Peut-être qu'il y a un chaos, il y a une incompréhension qui persiste. Il y a, tu vois, c'est cette compréhension, c'est mettre des mots sur les mots, cette guérison émotionnelle qui n'a pas, qui est difficile pour toi. Je pense que tu en veux à une situation où tu n'as pas compris la leçon ou le but ou pourquoi c'est arrivé. C'est comme si tu n'avais rien demandé. C'est ce que je ressens, Sagittaire. Moi, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé du tout. Je suis tranquille et bam, ça me tombe dessus. Pourquoi? Pourquoi cette situation arrive? Pourquoi ça s'est écroulé? Pourquoi j'ai été licenciée? Ça m'a déstabilisé, par exemple, ben voilà, dans ma stabilité. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie alors que tout va bien et que je vais bien et que je suis en couple depuis 15 ans? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Quelque chose comme ça. Peut-être que... il y a besoin ici de s'enraciner différemment. Il y a besoin d'écouter ses émotions. Peut-être que tu n'as pas écouté tes émotions, que tu n'as pas su t'exprimer, que tu n'as pas eu ce côté. Comment te dire? Intuitif mis au premier plan. Tu n'as peut-être pas écouté ton intuition. Il y a quelque chose ici qui me dit que tu n'étais pas connecté à tes émotions, ou tu étais indisponible, ou tu t'es pas rendu disponible émotionnellement. C'est possible. Mais c'est par rapport à quelque chose qui t'a secoué ou qui est arrivé sans crier gare. Bah, décidément, la mort, j'ai beaucoup de scorpions ici. Hein. T'as rien demandé, Sagittaire, et ça t'est tombé dessus. Et encore une fois, et je répète, tu comprends toujours pas le sens. Pour certains, je suis dedans, je ne comprends pas le sens. Je sais pas pourquoi. T'as pas eu l'impression d'être soutenu, d'un point de vue général. C'est le côté, j'ai pas été soutenu. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, j'ai pas été soutenue. Alors pour certains, la reine de coupe peut représenter quelque chose qui t'a étouffé ou qui t'étouffe. Ouais, c'est possible. Alors pour certains, ça peut être devoir laisser partir son enfant. C'est ton grand challenge. Le côté maternel en surpuissance ici. Ne pas être prêt ou prête. Donc du coup, il y a quelque chose qui te perturbe et au final, au lieu de le guérir et de comprendre que ce sont les choses aussi de la vie, non, tu vas à l'encontre de ça, tu n'acceptes pas. Je pense aussi que, il peut y avoir quelque chose au niveau de ta féminité peut-être, de ta sphère, bon bien sûr émotionnelle, mais de ta féminité, ton côté maternel, c'est possible, comme je l'ai dit. Peut-être que tu as manqué d'amour-propre, j'ai envie de le dire. Ouais, j'ai envie de le dire.
Tu sais, la reine de coupe, elle arrive à s'imposer par la douceur. Peut-être que pour certains, on a été dans une énergie qui était tout sur. On n'a pas réagi ou on n'a pas agi avec cette douceur. C'est quelqu'un qui est persuasif et qui sait s'imposer sans. Non, qui sait convaincre sans s'imposer. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est imposé à toi sans crier gare. Ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est ce que je ressens. Ça représente l'atteinte d'un objectif, la reine de coupe. Et moi, j'ai l'impression que tu n'as pas atteint un objectif. Tu vois, c'est un petit peu, comme je t'ai dit, l'atteinte d'un objectif, le passage de l'idée au concret. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as, qui s'est écroulé avant même d'avoir pu débuter ou tout simplement en cours de route ou après. Tu vois, c'est possible. Alors, tu es vraiment dans l'élément. Attends, c'est quoi ça? Ouais, donc, tu es que dans les coupes. En fait, tu es que dans les émotions, là. J'ai que de l'eau. En même temps, la tour représente le scorpion. La mort représente le scorpion. Il n'y a que de l'eau ici. Peut-être que certains n'ont pas pris soin d'eux, n'ont pas fait attention à eux. Peut-être que suite à un événement particulier, on ne s'est pas pris en main, on n'a pas pris soin de soi, on ne s'est pas aimé, on ne s'aime pas. Peut-être le challenge, c'est ça. On n'aime plus l'image qu'on a de nous. C'est possible aussi. Pourtant, ça va changer. Hein. Ça va grandement changer. Et bien entendu, les amis, quand je vous dis que ça va changer, ça ne va pas changer comme ça. Dans ma chaîne, moi, j'estime en tout cas que je m'adresse à des personnes qui ont quand même, qui n'attendent pas que les choses se déroulent sans action. Rien n'arrivera sans action. Moi, je pense que de toute façon, il y a une transformation de soit de l'image que tu as de toi, c'est possible, ou peut-être qu'il y a une image maternelle autour de toi, peut-être le rapport à la mère, ou alors tu as peur de c'est ta projection de comment tu seras. Comment tu es maman actuellement ou comment tu le seras plus tard. Il y a peut-être quelque chose ici qui a, voilà, qui te fait peur, que tu crains. Et moi, j'ai l'impression que quelque chose se transforme à ce niveau-là, mais avec de l'action de ta part, bien entendu. Il y a surtout cette dynamique de laisser le passé au passé et voilà, les choses qui se sont passées, je dois en retirer certaines leçons, je dois continuer d'avancer, je dois avancer, je dois accepter mon nouveau moi. Et tout en ayant le réalisme, parce que je sens que tu vas avoir un réalisme, que tout ça n'est pas arrivé pour rien, qu'il faut passer peut-être à autre chose, que ça t'a permis de devenir une autre personne, ou que ça te permet tout simplement de passer à une autre étape de ta vie, notamment si tu dois laisser un enfant partir, par exemple, ou si tu dois laisser une relation. C'est possible. Accepter de se détacher émotionnellement, c'est pas juste se dire l'émotion, ok, on essaie de se détacher pour prendre de bonnes décisions, mais physiquement, on reste dedans, alors dans ce cas-là, on fait du surplace. Non, c'est justement un changement radical qui est nécessaire, et tu vas le faire. C'est très possible. Puisque j'ai quand même, hein, mine de rien, il y a beaucoup de subtilité dans ton tirage. Je sens, il y a beaucoup de subtilité dans ton tirage. Alors, tu as quand même le 9 de coupe en carte en atout. Alors le 9 de coupe, c'est quoi? C'est être connecté à ce qu'on aime. C'est être connecté à ses désirs. C'est ressentir beaucoup de gratitude au final pour ce qui s'est passé. Parce que ça t'aide à grandir. C'est ce que je ressens. Il y a quand même, quoi qu'il en soit, on sait qu'on se dirige vers quelque chose de satisfaisant. On sait qu'actuellement, on met en place peut-être des projets, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi ou qui va arriver. Mais quoi qu'il en soit, dans tes atouts, tu sais que quelque chose est bon pour toi ailleurs. Tu gardes cet espoir. Puisque là, on parle de confort et de sécurité. Il y a quelque chose qui va te rendre, qui va te rassurer, qui te rassure peut-être déjà. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est être connecté hein, à ses désirs profonds et vouloir les mettre en place. Le 9, c'est quand même associé c'est le nombre de l'achèvement. On n'est pas loin du 10, on est dans l'achèvement. On est à l'aboutissement de quelque chose. C'est associé au résultat. Et j'ai l'impression que tu peux être fier de toi parce que c'est comme le 9 qui est tourné vers soi aussi. Le 9, c'est l'ermite. Le 9, c'est après la profonde réflexion. Le 9, c'est le je, hein, c'est le moi. Mais c'est surtout bien l'aboutissement. Je pense que on comprend quelque chose. On évolue au niveau émotionnel.
On reprend hein, beaucoup de confiance en soi. On regagne en positivité. Et là, on se rend compte que la vie, elle a de l'abondance pour soi. Et qu'on est un être avec de multiples possibilités d'évoluer. On peut être dans l'abondance si on le décide. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi cet état émotionnel, ce côté vraiment très interne à toi. Cet état d'esprit qui est important. Il est important d'avoir l'état d'esprit qui va avec. Et peut-être que tu te rends compte là aujourd'hui, c'est dans ton atout, que ce que tu souhaitais ardemment et ce que tu souhaitais, mais de dingue, c'est peut-être pas fait pour toi. Il y a ça aussi. Ce que tu attendais, ce que tu es, tout ce que tu es, vraiment ce que tu vas t'apercevoir en fait que c'est pas ce dont tu avais besoin. Et donc, on est sur un retour à la réalité. C'est pour ça que je t'ai parlé de réalisme ici. Donc, il y a un réalisme important. Alors oui, ça signe une phase importante de ta vie, mais néanmoins nécessaire pour pouvoir avancer. Et tu vas avoir des opportunités. Tu vas être... Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus sain que je ressens chez toi. Et pour certains, c'est vraiment une valorisation de soi. On prend enfin soin de soi. On se fait plaisir. On s'offre tout ce qu'on a besoin de s'offrir, tout ce qu'en face on n'a pas pu nous offrir. Mais on peut se l'offrir soi. Il y a quelque chose que je ressens à ce niveau-là aussi pour certains. Ok ? Voilà tes messages, mon cher Sagittaire. On continue tout de suite avec mes Capricornes. Pour mes Capricornes, on y va tout de suite. Challenge à tout. Conseil évolution. N'hésite pas à regarder tes trois placements, tirage intemporel, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. Ça a pour moi une durée, on va dire, de validité d'environ un mois. Donc, n'hésite pas à regarder aussi tes trois placements. Allez, pour toi, cher Capricorne, qu'est-ce qu'on a ici en challenge? On a tout. En conseil ou résultat. On a tout. Le valet de denier. Très bien. Challenge au résultat. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le 5 de bâton. Mon cher Capricorne. Alors. Là, l'as d'épée. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas... j'allais dire qui n'est pas vrai. Ok. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses dont tu n'as pas connaissance. Il te manque des éléments. Il te manque clairement des éléments. Peut-être que tu crois quelque... Peut-être que tu penses être dans le bon chemin ou tout simplement détenir la solution ou procéder à la bonne façon de faire. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être quelque chose d'autre ici. Il y a peut-être quelque chose d'autre, quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose qui n'est pas encore à ta portée. Quoique, hein, après, ça dépend. Mais qui n'est pas... qui est peut-être pourtant, oui, et pourtant pour certains qui est peut-être même devant toi. Sois honnête. Hein, je pense sois honnête envers la situation. Il y a peut-être un jugement hâtif. Peut-être que tu te sens effectivement un petit peu en pression, un petit peu poussé ici. Peut-être que c'est une question de temps, peut-être que c'est. Peut-être qu'il y a des conflits. Hein, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, ta réflexion, elle est un peu bloquée. Elle est peut-être, je dirais pas manipulée, mais influencée. Il y a quelque chose qui ce challenge pour toi, c'est quand même peut-être un manque de lucidité. Tu ne juges peut-être pas bien une situation, ou il te manque peut-être un élément. Je pense que tu es un peu bloqué dans ta réflexion. Il y a des événements, il y a des éléments extérieurs qui ont une ingérence certaine dans, dans ce qui te traverse au moment où tu regardes cette vidéo. Peut-être, je dis bien peut-être, mon cher Capricorne, qu'il y a un éveil hein, en fait. Ouais, ouais, un éveil. Et j'ai presque envie de te dire... que toutes les vérités ne sont pas forcément agréables, soit à délivrer, soit à entendre. Soit, voilà, soit à découvrir, soit à exprimer. Il y a peut-être quelque chose que tu as découvert, qui n'est pas agréable pour toi.
Donc, ça te met en situation de conflit, peut-être même vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Hein, ce n'est pas forcément que interne. Ou tu as besoin d'exprimer quelque chose, mais tu sais qu'il y aura des répercussions. Ouais. L'épée, c'est quand même une arme. C'est une épée, c'est tranchant. Tu sais qu'il y a peut-être une tête qui va tomber là. Peut-être même la tienne. Hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est nécessaire ici pour rétablir quelque chose dans le bon chemin, dans le droit chemin. Peut-être que peut-être qu'ici, tu es obligé de défendre ton point de vue. Et c'est un challenge pour toi. Parce que peut-être que tu ressens une forme d'injustice, une forme de malhonnêteté, un mensonge derrière tout ça. Il y a quelque chose qui t'as peut-être pas envie de faire. Hein. Mais c'est aussi ne pas vouloir le dire. C'est tranchant, hein, une épée, comme je le dis. Peut-être que tu as l'impression de te battre pour ton rêve, de te battre pour... Je ne sais pas. Mais tu as peut-être l'impression de te battre aussi pour ton... Ouais, pour tes rêves. Mais j'ai presque envie de te dire un truc. Ta lucidité, parce que je pense que pour certains, on est déjà lucide sur une situation. Et c'est ce qui peut faire mal ou te mettre en conflit, soit interne et ou avec d'autres personnes. Mais cette lucidité que tu as déjà, bah, ça représente quand même une longueur d'avance. Donc, utilise-la vraiment dans le... comment on dit? À bon escient. Utilise-la à bon escient parce que ça t'amène une longueur d'avance, quoi qu'il en soit. Et tu as peut-être du mal à utiliser ton arme ultime, toi, Capricorne, c'est possible. Et qui est représentée par la parole. Ou la décision. Peut-être que tu as besoin d'être honnête. Tu n'as pas envie de blesser quelqu'un, c'est possible. Bon. On va voir un petit peu au niveau de tes atouts. Très bien. Bah là, tu vois, regarde, je retrouve tes éléments terre, ici. Le 8 de denier. 8 de denier représente la progression, la méthode. J'ai l'impression que tu vas appliquer une méthode. Tu vas te concentrer ici avec le 8 d'épée. C'est vraiment le côté je vais avoir des résultats. Donc déjà, tu as beaucoup de compétences. C'est ce qu'on est en train de dire. Le 8 de denier représente une personne qui est sérieuse, qui est acharnée, qui est tenace, disciplinée. Donc j'ai l'impression que ça va t'aider, quoi qu'il en soit, ça va t'apporter beaucoup. Ça va t'aider à progresser, ça va t'aider à évoluer. Peut-être que tu as besoin, voilà, de t'exprimer sur une volonté d'évoluer dans ton travail. Une volonté peut-être de te débarrasser ou de mettre fin à un contrat parce que ça ne correspond plus soit à tes valeurs, soit ça ne va plus, ça ne te convient plus au niveau des finances, j'en sais rien. Peu importe, mais il y a besoin ici de faire évoluer la situation. Et tu sais que ça va te réancrer puisque tu es dans ton élément de terre. J'ai l'impression que tu as de nouveaux objectifs en tête. Tu n'es pas coincé dans quelque chose, puisque là, ça représente les opportunités. Donc, tu vois quelque chose d'autre. Tu sais qu'il y a un potentiel en toi, et peut-être aussi ailleurs, et qui demande que ton attention, ton travail, ton focus. J'ai l'impression que je m'adresse aussi à des personnes qui sont... perfectionnistes, qui peuvent avoir mieux, plus. Qui peuvent se sentir mieux peut-être aussi ailleurs, dans un autre boulot éventuellement, dans une autre activité. Je sens des capricornes qui sont dans la pratique de quelque chose qui peut les amener à une forme d'expertise. Sinon, on a conscience ici qu'on peut faire progresser les choses. Et peut-être par cette communication, même si elle est dérangeante, on va faire progresser la situation. Ou même cette communication qu'on n'a pas forcément envie de délivrer parce que voilà, parce que ça te challenge toi, parce que ton pire ennemi c'est toi, et voilà, et pourtant il y a un fort intérêt autre part. On est en train de dire que tu as ta bonne place en fait. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ne reste pas à l'écart. Tu sais que la patience, elle va être nécessaire, quoi qu'il en soit.
Donc c'est pour ça aussi, hein, ne te précipite pas. Je t'ai dit tout à l'heure, ne te précipite pas, ne prends pas de décision hâtive. La patience est de mise. Ça doit être un ami et pas un ennemi, le temps. Tu es conscient que tu dois continuer à faire des ajustements nécessaires, à travailler sur ce projet, à exploiter ce projet, à exploiter cette idée, peut-être une autre idée, hein, pour certains. Parce que tu es conscient ici qu'avec ton travail, on va dire acharné et assez précis, tu vas obtenir des résultats. Tes atouts sont vraiment dans ton énergie de terre. Waouh, on parle de succès là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Peut-être que certains vont quitter quelque chose pour se réengager dans une autre voie. C'est tout à fait possible. Le monde me parle de succès, me parle d'achèvement, de sentiment d'accomplissement. Et puis la justice me dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça peut représenter aussi la signature de contrat. Ça représente l'équilibre, encore une fois. Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi... On travaille un équilibre. On est sur un chiffre pair. La justice me parle aussi de récolter ce qu'on sème. Et moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers le succès, quoi qu'il en soit, hein, Capricorne. Peut-être que tu as besoin de t'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres choses, de voir plus grand, plus loin. C'est possible. C'est une très très bonne carte, le monde. Ça signifie que la boucle est bouclée, parce qu'elle devait l'être, parce qu'il y a une histoire de bon karma qui vient pour toi. Et que ça te permettra peut-être d'exploiter soit quelque chose d'autre, soit d'exploiter ton plein potentiel dans cette situation. Donc ouvre-toi, clôture quelque chose, s'il y a besoin de clôturer, et tu iras à l'accomplissement et à la satisfaction ici. Voilà tes messages, mon cher Capricorne. On continue avec mes Verseaux. Mes Verseaux, mes artistes. N'hésite pas à regarder tes trois placements. C'est un tirage qui est intemporel, c'est-à-dire que c'est au moment où tu regardes cette vidéo et peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, elle sera valable. J'ai quand même mis un élément de temporalité. Je me suis dit dans le mois suivant cette vidéo. On va voir un petit peu tes challenges, tes atouts, ton challenge, ton atout. L'évolution, le conseil. Regarde tes trois placements. J'espère en tout cas que cette vidéo va pouvoir t'aider. Au niveau des challenges, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Dans les atouts, qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux ? Résolution, conseil, on met un petit peu de tout dedans. Enfin, résolution, évolution. Évolution, conseil. Ok, qu'est-ce que j'ai dans les challenges ? Le 5 d'épée. Bon, pas cool ça. Dans les atouts, le 2 de coupe. Tu vas en savoir plus sur, comment, sur tes limites, entre guillemets, ou sur ce que tu es capable de faire. Parce que ça peut te représenter, toi et ton moi supérieur. C'est vraiment ce côté, je regarde en face les choses. C'est comme si on se regardait dans la glace, on se dit, ouais, vas-y, t'es capable. Garde la motivation. Il y a un côté comme ça que je ressens. Alors, dans les challenges, ok, le magicien, ok. Je pense que t'es pas préparé à ce qui arrive là, ou ce qui est déjà là. Je pense que tu manifestes quelque chose, mais qui a du mal à décoller. Je pense ici que tu n'as peut-être pas tous les outils, ou peut-être que tu penses ne pas avoir tous les outils. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais j'ai le 5 d'épée. Hein. Il est possible. Alors le 5 d'épée, c'est typiquement c'est une carte difficile à interpréter. Ici, on peut pas, avec les deux comme ça, on peut parler de manipulation. Alors, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te manipule ou qu'une situation te manipule? Il y a quelque chose ou des éléments externes qui font que ce n'est pas fluide. Il n'y a pas de fluidité. Il n'y a pas de fluidité. Il peut y avoir... Alors, le 5 d'épée, c'est aussi le côté... Bon, ben... Quelqu'un veut avoir l'avantage sur toi, par tous les moyens. Gagner à tout prix. Utiliser peut-être même le mensonge, la diversion, la distraction pour te dévier de ton chemin. Alors, est-ce que tu as des distractions autour de toi? Est-ce que tu es distrait et donc peut-être que tu procrastines et donc tu n'utilises pas ton plein potentiel? Est-ce qu'il y a une situation où tu as l'impression de faire fausse route, c'est possible? Ou peut-être que tu utilises mal ou tu n'as pas conscience hein, de tes talents? Ouais. Je sens un mauvais départ dans quelque chose que tu manifestes, hein, dans quelque chose auquel tu crois, c'est possible.
Ça demande de la concentration et de la focalisation. Donc c'est pour ça que c'est une carte de manifestation. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui te manque à ce niveau-là. Ça peut être ton challenge. C'est pas le moment de t'éparpiller, cher Verseau. J'ai dû quand même du. Bah là, c'est Gémeaux. Hein. Gémeaux, Verseau, Balance, on va dire. Je suis bien dans ton énergie. Hein. Et donc, on est sur l'élément R, sur le mental ou la communication. Donc, est-ce que ce sont des pensées négatives, des vibrations basses? Alors, je ne sais pas si c'est lié à une personne ou à un groupe de personnes ou à une situation. Ça peut être uniquement toi-même. Est-ce que c'est au niveau de la communication? Est-ce que tu exprimes mal quelque chose? Est-ce que tu as l'impression qu'on ne t'entend pas? Qu'on ne comprend pas ce que tu dis, ce que tu veux? Est-ce qu'il y a des disputes, hein, parce qu'on est sur l'élément de communication aussi, est-ce qu'il y a des échanges qui ne sont pas forcément agréables? C'est possible. Donc on te met quand même, je pense que dans le challenge, on te met quand même en garde contre les distractions, les tentations autres qui peuvent te faire un peu dévier de ta trajectoire. Déjà, il y a ça. Reste sur un seul objectif, ne t'éparpille pas. Concentre-toi sur une seule tâche à la fois, ou une seule chose à la fois, un seul problème, ou problème, une seule problématique à la fois. D'accord? C'est possible. C'est comme quand on reproche quelque chose à quelqu'un. Alors si on lui reproche ça, 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 bon, alors tu sais, laisse tomber. Il t'a perdu, la personne, elle t'a perdu au bout du. Bah, après le premier, quoi. Après la première reproche, elle t'a perdu. Tu vois, il y a un petit peu. Voilà. Il peut y avoir un peu de ça aussi, hein. Donc, à toi de déterminer en fait ce qui ne va pas. Il y a peut-être sûrement des solutions que tu n'as pas encore que tu n'as pas l'impression d'avoir. Tu as peut-être l'impression de ne pas avoir de solution. Pourtant, on est en train de te dire que tu n'as peut-être pas tout étudié. C'est possible avec le magicien. Peut-être que tu as l'impression d'avoir des atteintes qui ne sont pas réalistes au final, qui ne sont pas réalistes. On peut parler aussi d'une forme de malhonnêteté autour de toi ou un sentiment de malhonnêteté. Il y a aussi ce côté, tu sais, le magicien, c'est quelqu'un d'habile. Il manipule les éléments à sa guise. Peut-être qu'il y a des maladresses de ton côté. Ça peut être ton challenge. Ou de la maladresse autour de toi. C'est possible aussi. Bon. Alors, je vais pas te mentir, mais tu vois, je vais être honnête avec toi, avec le 5 d'épée et le magicien, bon. Si c'est une situation qui est externe à toi, c'est pas facile. On cherche vraiment à. Il y a quand même une volonté ici de ne pas te voir réussir ou de ne pas te voir avancer. Ou de ne pas vouloir que cette situation. Ou de faire rien, ça peut être du rien, dans le meilleur des cas, à tout pour pas que ça fonctionne. Toi de voir comment ça peut te parler, je ne sais pas trop. Toi, tu sais. Alors, au niveau des. Ah, d'accord. De ce qui est. Ah, bien. La justice. Super. Ok. Donc, dans la justice, avec le 2 de coupe, je pense qu'il peut y avoir un soutien aussi. J'ai envie de te dire, les choses vont rentrer dans l'ordre. Énergie de la balance. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a aussi un temps pour chaque chose. Verseau. Ça symbolise aussi l'honnêteté et la vérité. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Il peut y avoir un retour à l'envoyeur, surtout si tu subis des malveillances, j'ai envie de dire. Il peut y avoir un retour à l'envoyeur. Alors je ne suis pas en train de le souhaiter non plus, d'accord? Ce n'est pas le but du tirage. Mais c'est pour te dire qu'en fait, la justice voit tout. Et elle rétablit les choses telles qu'elles doivent être, dans le sens dans lequel elles doivent être. Puisque la justice représente la droiture. Toi, Verseau, reste droit. Continue de rester droit dans tes bottes. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et c'est dans ton atout. Tu l'as déjà, tu le sais. Continue de faire les choses dans les clous. Continue d'être dans la voie légale, si tu préfères, pour ceux à qui ça parle. C'est-à-dire de vraiment de rester dans les clous. Voilà, j'ai envie de te dire ça. Je sais pas, j'ai envie de te dire ça comme ça. Mais. Il y a une parfaite exécution ici qui est nécessaire. Ou une façon de faire qui est nécessaire. Reste dans une.
Pèse bien le pour et le contre avant d'agir, c'est important. Peut-être qu'encore une fois qu'il y a un soutien ou que c'est comme ça que tu vois, que tu vas te voir. Tu vas te voir de la bonne façon. J'ai l'impression que tu ne vas pas accepter de te faire avoir. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ça impose le respect, la justice. L'ordre. Il est possible qu'il y ait besoin autour de toi de ressources, telles que les ressources légales, avocats, juges, médecins peut-être. Il y a peut-être quelque chose de ton côté, ici. On te parle d'être le plus objectif possible dans ta prise de décision. En fait, tout ça représente tes atouts. Tu as peut-être de la balance dans ta charte, c'est possible. Il y a une solution. Il y a une solution et elle peut être en lien avec une autre personne ou une autre situation. Il y a quelque chose qui peut t'aider, c'est ce que je ressens aussi. Peut-être qu'on parle d'un procès, peut-être qu'on parle de... Voilà, il y a peut-être vraiment, j'ai envie de dire, la justice divine de ton côté. Bien entendu, je parle, voilà, tu sais très bien si c'est vraiment de ton côté ou pas. Et puis, on récolte ce qu'on sème. Je l'ai déjà, je le dis, on le dit souvent avec la justice, on récolte ce qu'on sème. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas être dans une position de réclamer, même pas de réclamer, c'est tu vas être dans ton bon droit. C'est ce qu'on est en train de te dire. On peut parler de papiers légaux à venir, hein, ou à signer, hein. Puisque la justice, c'est comme si tu étais prêt à répondre de tes actions, tu étais prêt à être jugé, mais parce qu'en fait, tu as une droiture. C'est la justice, c'est aussi, on vit les conséquences, même si ça peut paraître... on va voir quelqu'un vivre les conséquences des décisions et des actions passées. Ça, c'est la justice. Ah, tu vois, j'ai deux fois le 2 de coupe. Ok. Il y a un changement de plan ici. Toi, j'ai tiré une carte en plus. Deux fois le 2 de coupe. Déjà, il y a un changement. Il y a quelque chose qui... On parle de leçon karmique. Hein. Il y a vraiment quelque chose que tu vas apprendre et qui va rester très longtemps. C'est-à-dire que c'est une leçon de vie, une façon de faire que tu vas comprendre et que maintenant, tu vas appliquer pour plus tard. Je vais tirer une carte quand même sur le pendu. Il y a peut-être aussi une collaboration qui doit se terminer pour certains. Ou en tout cas, on signe la fin d'une collaboration. Et c'est pas plus mal parce que le pendu ramène un éclaircissement, hein, nécessaire dans cette situation. Non, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que j'ai avec le pendu? Le 8 de bâton. Je vais te tirer d'autres cartes. Hein. Et le 3 de bâton, très bien. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine. Au-delà de ce que... Si tu es coincé dans une situation, on est en train de te dire que quelque chose d'autre se dessine pour toi. Et c'est probablement avec de l'aide, du soutien, avec une autre association, avec une autre personne ou une autre situation à laquelle tu vas t'associer. Le 3 de bâton te permettra d'être à la conquête de quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des déplacements pour certains. Quelque chose qui était bloqué nécessitera peut-être aussi un déplacement de ta part. Mais quoi qu'il en soit, ça va débloquer la situation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose de vraiment bloqué. Et pourtant, là, on a quand même la justice qui est de ton côté. Voilà tes messages, mon cher Verseau. On termine avec les poissons. Pour mes petits poissons, on va terminer avec toi. Signe d'eau. Alors, on y va tout de suite. Challenge à tout, évolution, conseil. En tout cas, j'espère que ce tirage peut t'apporter des éclaircissements, voire même des confirmations pour certains. N'hésite pas à regarder tes trois placements, solaire, ascendant, lunaire, voire le vénusien. C'est un tirage intemporel, j'insiste, c'est au moment où tu regardes cette vidéo, peu importe le moment où tu la regardes. Et j'ai mis comme intention une validité d'environ un mois. Quels sont tes atouts, tes challenges? Allez, on commence par les challenges. Les challenges pour toi, cher poisson. Atout. Je n'ai pas de domaine particulier. Allez, évolution, conseil. Qu'est-ce qu'on a? Non, ça fait beaucoup trop. Tiens, voilà. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ici? Dans le challenge. Ah, très bien, roi de bâton dans le l'atout. Les atouts. Ça peut être une personne. Ça peut être aussi la volonté, ça peut être aussi ta capacité, ta propension à aller
au-delà, à te sortir vraiment de ta zone de confort, à être dans l'action pour obtenir quelque chose, à ne pas lâcher l'affaire. Qu'est-ce que j'ai dans les challenges? Le diable. Ok. Oh, je te sens motivée. Surmotivée. Mais... Alors, dans le challenge, le 10 de pentacle. Bon. Le 10 de pentacle, c'est aussi la place qu'on a. Tu sais, c'est le sentiment d'accomplissement et d'abondance. Donc, peut-être que tu as l'impression de ne pas être dans cet accomplissement, dans cette abondance, ou de trouver ta place dans un groupe, dans une famille. Peut-être qu'il y a des disputes familiales. Ça peut être aussi au niveau du travail, ne pas être dans des contrats qui se pérennisent dans le temps, être que dans des petits boulots, ou alors ne pas être aligné avec ce qu'on fait actuellement. Peut-être qu'il y a eu un sentiment d'accomplissement, hein, mais tu veux plus et tu te sens vraiment coincé. Parce qu'après le 10 de pentacle, quand on a atteint le 10 de pentacle, eh ben, il faut se remotiver pour trouver quelque chose d'autre. Donc j'ai l'impression que pour certains, on est là. Hein. C'est-à-dire que la base, elle n'est pas catastrophique. C'est juste qu'est-ce que je fais maintenant? Bon. Mais certains n'ont pas l'impression d'atteindre cette abondance. C'est l'apothéose de 10 de pentacle. C'est le succès, l'abondance, la famille, le mariage. Peut-être que certains, c'est un mariage le problème. Une union, un engagement. C'est l'aboutissement de toute une vie, normalement le 10 de pentacle. Donc si c'est en challenge, peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir réussi grand-chose. Et c'est dommage hein, de penser ça, mais bon, certains vont le penser. De ne pas atteindre ses objectifs en termes d'argent, en termes de... d'ancrage, de sécurité, de s'en vouloir peut-être, de ne pas fournir autour de ce qu'on aime, cette stabilité, c'est possible. J'ai le diable qui peut représenter bah, tout ce qui est tentation, matérialisme peut-être. Certains ont un côté... Alors peut-être que certains ne voient la réussite que par le côté matériel des choses. C'est peut-être là ton challenge. Le challenge, c'est peut-être de trouver aussi le plaisir dans ce que tu fais. C'est bien d'avoir le salaire, mais si tu es très malheureux, bon, voilà, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir ça peut être aussi vraiment clairement des problèmes financiers avec la famille. Ça peut être aussi un sentiment de solitude. Parce que si dans le challenge, tu as le 10 de pentacle, peut-être que tu te sens seul, que tu n'as pas éventuellement... créer ta famille, t'as pas acheté la maison que tu voulais. Alors, je dis pas que c'est une fin en soi, mais pour certains, c'est un objectif. Donc, peut-être que tu as l'impression de ne pas atteindre des objectifs, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de famille, en termes de travail, en termes d'argent, c'est possible. Et pour certains, il y a vraiment ce côté très matérialiste. Et peut-être que c'est vraiment, encore une fois, un conflit familial, une mésentente au niveau d'une maison, d'un bien, de plusieurs biens immobiliers, d'un commerce. Ça peut être ça. Ça représente les liens aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai en dessous du diable? Le monde. Peut-être que c'est en rapport avec l'étranger aussi, c'est possible. Peut-être ici qu'on a besoin aujourd'hui, parce que tu sais, le 10 de pentacle, ça a une temporalité longue dans le temps. C'est ce qu'on transmet aussi. Alors, est-ce qu'on a est-ce qu'on est en train de se poser peut-être les questions de qu'est-ce qu'on va transmettre plus tard? Quels sont les impacts aujourd'hui de ce que je fais aujourd'hui pour plus tard, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, j'en sais rien. Ou sur le long terme, tout simplement. J'ai l'impression que tu as peur que des décisions impactent aussi la sécurité, l'abondance, la sécurité ou le familial. C'est possible aussi. Peut-être que la famille, pour certains, régit un peu trop. Ça peut être tes parents, qui a peut-être une commune, parce que ça peut représenter une communauté aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui régit un petit peu trop ta vie et que tu as besoin d'en sortir? C'est possible aussi. Si le dialogue est possible, c'est peut-être le moment de discuter. Ça représente, comme je te dis, un peu la communauté. Alors, ce qui est ton atout? L'as d'épée, qui est sorti quand même pas mal de fois, hein, l'as d'épée. Très bien, on est en train de parler ici, quoi qu'il en soit, de communication. Je pense que tu vas trouver une solution à tous tes mots, M-A-U-X, par l'action et par la communication. Tu n'es pas juste dans la parlotte, tu es dans l'action aussi. Peut-être que tu dois communiquer avec une personne en particulier, une personne de ressources, une personne qui peut t'aider parce que ça représente
Quelqu'un qui trouve des solutions. Quelqu'un qui, ça ne marche pas avec ça, il essaie avec une autre, il essaie avec autre chose, il essaie d'une autre manière. C'est quelqu'un quand même qui veut de la, qui n'accepte pas le non. C'est quelqu'un qui ne veut pas être, qui veut conjurer le sort. Qui ne veut pas être, il n'y a pas de fatalisme chez cette personne, il y a des solutions. Il n'y a que des solutions. Ça va être, si ça devait être son adage, ce serait ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc j'ai l'impression hein, que quoi qu'il en soit, on va peut-être communiquer quelque chose à quelqu'un, peut-être qu'on reçoit un courrier en particulier, mais on va trancher. Tu as cette capacité-là, c'est dans ton atout. Tu as peut-être aussi ce côté, j'ai envie de dire, diplomate et en même temps passionné hein, de la suite. Peut-être que tu as du Taureau Vierge Capricorne, du Bélier Sagittaire aussi dans ta charte, c'est possible. Peut-être du Lion, hein, mon cher Poisson. Donc, quoi qu'il en soit, on a aussi ce pouvoir, cette force du mental. Poisson, tu l'as, cette force du mental. C'est qu'en fait, au fond, tu as, si tu n'as pas la solution, tu as cette vérité en toi. Et tu sais, en fait, tu connais ta valeur, tu sais quelle est la valeur de, cette situation, tu sais ce qu'elle vaut pour toi, tu sais quelle est la valeur de toi, quelle est ta valeur et comment tu peux faire évoluer la situation. Il y a quelque chose de très clair. Donc, j'ai un pouvoir du mental ici. J'ai peut-être même plein d'idées de ton côté. Et la bonne réflexion qui va amener à la bonne action. Ou alors à contacter la bonne personne. Il y a quelque chose qui ressort comme une vérité. Assez tranchante, certes. Mais c'est dingue parce que tu vois les aigles ici. C'est peut-être des aigles. Oui, c'est des aigles. Tu vois, les aigles, ce sont des rapaces. Ce sont des oiseaux qui vont tourner dans le ciel pendant longtemps. Mais quand ils vont foncer pour attraper leur proie. Et je pense, hein, si peut-être que je me trompe, mais peut-être pas, parce que je crois que j'ai déjà vu des reportages, ils ne ratent pas souvent leur proie. Je n'ai pas l'impression qu'ils ratent souvent leur proie. Et donc, en fait, il y a ce côté, je tourne, je tourne, je tourne, donc je réfléchis. Mais quand j'agis, bam, j'obtiens quelque chose. Donc, pour certains, c'est comme si on se mettait un petit peu en retrait, parce que si on commence à ouvrir sa bouche... On va avoir les mots qui vont massacrer tout le monde. Pour certains, ça va être ça. Donc, c'est dans tes atouts. En tout cas, tu as cette lucidité quant à la situation. Et donc, en fait, on ne va pas te la faire à l'envers. On va pas te... Non, parce que tu sais. Voilà. Et comme je te dis, tu as un pouvoir. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on peut te dire ou autre, si ça t'atteignait avant, aujourd'hui, tu as quand même cette mise en avant de ce pouvoir-là. Et ça ne va pas t'atteindre. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves, mais bien entendu, tu vois comment ça te parle. Et si une situation était embrouillée, elle trouve une résolution. Tiens, le 8 d'épée est sorti aussi. Hein, il est déjà sorti là, dans cette position. Alors, j'ai une 9 de bâton. Tu vois, j'ai une énergie assez combative. Effectivement. Combative. Qui se relève à chaque fois. Qui essaye de... Quoi qu'il en soit, qui ne lâche pas l'affaire. C'est le guerrier du tarot, celui-là. C'est quelqu'un qui anticipe déjà le coup. Il a un coup d'avance. Comme il a l'expérience de se casser un peu la binette, de se relever toujours autant. Regarde, son bâton, il a pris... c'est la première fois que je remarque ça en plus. Son bâton a pris... Il y a carrément des feuilles qui se sont... qui poussent autour. Ça veut dire que ça fait longtemps. Il a l'expérience. Il sait très bien. Il regarde au loin. Il regarde presque avec un... Je dirais pas un sourire, mais il n'est pas non plus très, très... il regarde avec des yeux, tu sais, un petit peu plissés, comme l'aigle, là, quand il regarde sa proie, parce qu'il sait déjà ce qui va arriver. Et donc, il est prêt, en fait. C'est ce que c'est en train de me dire. Il est déjà prêt. C'est quelqu'un qui saura se défendre, ou qui saura défendre son point de vue. C'est quelqu'un qui s'affirme, puisque le 7 de bâton représente l'affirmation de soi. Le 8 de bâton représente aussi l'expression et le bon moment pour agir. Et on se rend compte que maintenant, les choses se débloquent. Le 9 de bâton, si on est dans la résistance, il est toujours debout. Ça symbolise ta capacité à réussir, même dans l'adversité. Tu as les ressources nécessaires et tu vas t'en rendre compte. Tu as les ressources nécessaires pour passer à la ligne d'arrivée et tu identifies clairement ce qui te bloque au niveau des pensées. Parce que tu vas te rendre compte qu'au niveau de l'action, tu peux. Et c'est au niveau des pensées que tu agis particulièrement. C'est pour ça que c'est dans ton atout aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans la persévérance.
qui protège, que tu vas protéger ce que tu as construit ou ce que tu vas construire. Tu vas savoir dire non quand il faudra dire non. Il y a vraiment un côté très fort que je ressens chez le poisson. Voilà tes messages, mon cher poisson. J'espère en tout cas que cette lecture t'a parlé. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à t'abonner. À plus tard. Au revoir.